Bonsoir, excusez-moi, je me gourais, je me suis gouré sur ma commande. Bonsoir, attends, faut qu'on en parle. Attends, faut qu'on en parle. Ta-da-da-da-da. Apprendre à aimer. C'est mec, mais ça ressemble de ouf! Attends, mais c'est quoi ce scandale? Apprendre à aimer. Mec, c'est pareil! Bonsoir, bonsoir, excusez-moi, excusez-moi, ça m'a choqué. Je m'en suis rendu compte pendant que la musique était en train de passer, excusez-moi. Bonsoir, est-ce que ça va bien, les copains? Bonsoir, bonsoir, donc bonsoir Sinistra, bonsoir. Jason, bonsoir Funérailles que j'ai également vu, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien ce soir? Dites-moi tout, je veux savoir comment vous allez. Je suis déjà content de ne pas être tout seul. Je m'attendais à être tout seul un peu ce soir, je sais pas pourquoi. Donc, voilà quoi. Je vais me moucher, ne bougez pas. Voilà, je vous ai évité l'enculade du nez, comme on dit. Je me fais caca dessus. Qu'est-ce que t'as mangé encore, funéral? Qu'est-ce que t'as mangé? Est-ce que t'as mangé une saloperie? Attendez, bougez pas. Je reviens. Hop. Est-ce que t'as mangé une saloperie, funéral? Ça m'étonnerait pas de toi, hein. Je vous Tannenberg. Je vous à Tannenberg actuellement. Tannenberg. Tannenberg. Qu'est-ce que c'est Tannenberg? Tannenberg. PS4. Bataille de Tannenberg. C'est un jeu, d'accord, très bien. Eh ben, amuse-toi bien, mon cher Jason. Pour une fois, non. Un délicieux cordon bleu, du bouche et des pommes dauphine maison. Et c'est quoi que t'as mis sur le Discord LMF? T'as mis de la terrine de bison. Et il y a marqué pipi dessus. Non, alors j'ai mal vu. Ah non, Tipeee, pardon. La terrine de bison également. Ouais, j'ai lu pipi sur le côté, ouais, pardon. Et ça va, ça, c'est bon? T'as bien mangé? Ouais, tu sens que je sais plus trop quoi dire là. Hop, attends, mais je prépare juste ça. Hop, hop. Elle est giga bonne. Eh, dis donc. On se connaît pas assez pour que tu parles de ma femme comme ça, funéraire. Du bison, de la terrine de bison. Ça, c'est très funéraire. Hein. C'est très très funéraire comme truc. Hein. Ça nécessitera, sache-le. Hein. Déjà, funéraire, c'est lui qui m'a fait goûter. La Caroline Reaper, qui est le, bah, je crois le piment le plus fort du monde, du coup. Une cacahuète à la Caroline Reaper, mon gars, j'ai chié mou. Hein. C'était marrant, c'était gaulerie. Je suis dégoûté que Poons ait toujours pas upload la vidéo. Parce que j'ai vraiment envie de voir notre réaction où on se met tous à courir vers les chiottes. Enfin, vers le lavabo. Ah, c'était marrant, c'était les vacances cet été. J'en ai acheté des séchés des Caroline Reaper, ça arrive demain. Ah. Ah là là, mon petit coquin funéraire, hein. Tu vas encore te détruire le bide. Tu vas encore chier par le. Ouais, yes. Ouais. Tu vas encore faire pas. Tu vas faire ça. Hop. J'allais dire, tu vas encore chier par le cul, mais. Mais bon, hein. C'est con, hein, donc. Alors attendez, Enter the Gungeon, tac, on va virer Black Sad parce que du coup, tac-tac, hop. Ça se mange le bison, bien sûr, Sinistra! Qu'est-ce que tu crois qu'ils font comme viande à Buffalo? Non, bah non, si, par contre, en vrai, si, c'est très très bon le bison, j'en ai déjà mangé, c'est très très bon. C'est, par contre, c'est cher, hein. Enfin, par de la bonne qualité de bison, c'est cher.
Bah ça va, c'est pas mauvais. Enfin, du peu que je me souvienne, ça, c'était bon, quoi. Après, je me souviens plus de ouf, en vrai. C'est une des viandes les plus fondantes en bouche. Ah, oh, ça, tu vois, ça se discute. Parce que, n'empêche, le bœuf argentin. Oh lolo. Nahlin Shaitan. Nahlin Shaitan, c'est bon. Non, mais ouais, par contre, c'est vrai que le bison, c'est de du peu que j'en ai mangé, je crois que j'en ai mangé qu'une seule fois dans ma vie. Et c'était vraiment, je recommande, c'est vraiment super bon. Hein. Bon, Hunter the Gungeon, alors. On joue qui? J'ai besoin de votre avis. Allez, vous votez. 1, 2, 3 ou 4. Rappel, le marine, 1, pilote, 2, 3 ou 4. Dites-moi, je sais pas, là, je choisissais pour moi. Je vais vomir. Enfin, je vais me moucher, attendez. Non, c'est bon. C'est bon, je gère. Du coup, dites-moi. Dites-moi, dites un chiffre. Je m'en fous. La première personne qui dira un chiffre. Merde. La première personne qui dira un chiffre. Deux. Évidemment, c'est le pilote. Bon, ça marche. Allez, hop, c'est parti. On va aller voir si on peut pas acheter des... Non, j'ai déjà acheté avant de partir la dernière fois. Ça marche. Alors comme ça, ça me dit rien. Je m'y essaierai pas. De quoi tu parles, la viande de bison Sinistra. Après, oui, c'est... Enfin, faut avoir envie, quoi. Mais moi, j'avais déjà... Beaucoup, moi, j'avais goûté vraiment par curiosité, tu vois. Et non, vraiment, c'était une très bonne surprise. C'est vraiment bon, tu vois. Mais j'en ai mangé qu'une fois dans ma vie, hein. Ça se trouve, j'ai juste eu de la chance et... Et surtout, toi, tu vas en manger une fois pour tester et tu vas tomber sur un morceau qui est dégueulasse, hein. C'est possible aussi, hein, meuf. Hein. Ça, c'est... C'est un peu au petit bonheur la chance, comme on dit. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire au niveau du son si ça va, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'aime pas le pilote, mec. Oh, il tire comme une merde, on dirait moi. Hop. Nickel. Bon, bah, ça marche. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des soucis de son, etc. Je suis là pour vous écouter. Hein. N'hésitez pas à partager ce stream également. Pour que je n'ai plus peur de me retrouver tout seul à chaque fois que je lance un stream. Bon allez, on fait une masterclass, j'ai déjà RT. Oh. Ah, quel professionnel. J'ai rien à recharger donc c'est pas grave. Hop. Non mais ça c'est ton syndrome de l'imposteur. Ah certainement oui. Certainement mais ça n'empêche pas qu'hier j'étais quasiment tout seul quoi. J'ai fini le stream quasiment tout seul, quoi. Enfin, quasiment non, tout seul, en fait, je crois. Pourtant, il était pas tard, hein. Après, j'avais un giga mal de crâne, donc ça aidait pas, en plus. Mais ça s'appelle surtout le manque de confiance en soi, Sinistra. Hein. Ça, on en a déjà parlé, hein. Après, tu sais, en vrai, Sinistra, le jour... Où j'aurais pas peur d'être tout seul, tu vois. Bah je pense que j'aurais réussi ma vie. Hein. Le jour où je me dirais pas, putain j'espère que je vais pas être tout seul en stream ce soir. Là je pense que j'aurais réussi ma vie en vrai. Hein. Hop. Je suis encore en train de réfléchir à quelle caméra je vais prendre pour Noël. Parce que du coup j'en ai trouvé une qui est vachement mieux. Mais faut que je regarde si j'ai la bonne connectique sur mon PC, s'il faut pas un USB-C. Et s'il faut un USB-C, je suis niqué parce que j'ai que de l'USB normal, je crois. Bon, faudrait que j'aille acheter un adaptateur, mais flemme, quoi. Mais en tout cas, sachez que... L'année prochaine, ça sera l'année de mon succès. Hein. Je vais vous proposer un contenu de qualité, mon gars. Je suis déjà en train de réfléchir à des trucs. Mais bon, je vais pas vous en parler parce que c'est... Je vais pas vous spoiler, quoi. Hop. Hop. Bon, ça va, pour l'instant je gère bien, j'ai pas pris un seul dégât. Bon, sinon, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait de beau de votre journée là? Est-ce que vous avez fait des trucs intéressants? Est-ce que vous avez travaillé pour certains? Est-ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. Est-ce que vous avez juste rien glandé comme moi? Enfin, je travaillais ce matin, mais. L'après-midi, j'ai rien glandé, j'ai même pas été. Je l'ai mentionné rendu compte après. J'ai même pas été à la salle, c'est pour vous dire à quel point j'avais pas envie de bouger cet après-midi. J'irai demain du coup. Je me fais attaquer par un coffre. Dégage!
Dégage! Joker. 2019. We live in a society. I'm the Joker, baby! I'm the Joker, baby! Vous connaissez cette vidéo? I'm the Joker, baby! Je sais plus comment il le dit. Mais je sais qu'il dit I'm the Joker, baby, le mec là. Hop! I'm the Joker, baby. Non, mais je suis con, moi, mais quel con. Mais quel con, mais. Prends l'air. Bon, on espère que j'aurai une arme. Bien. Dans le coffre prochain, parce que sinon je vais être clairement dans la merde pour le boss là. Non, mais vous allez voir, ça va être une run full RNG, je vais me faire enculer, tu vas voir. La RNG, elle va me défoncer, je vais avoir que de la merde. Je sens que ce stream, ça va être une catastrophe au niveau de la RNG. Je sais pas, j'ai le. Tu sais, ça pue la. Sans la merde un petit peu, tu vois. Bon, ouais, y a même pas d'armes ici. Allez, je t'en supplie. En vrai, mes doigts sentent la crevette. Alors que je me suis lavé. C'est infernal à quel point l'odeur de crevette, ça reste quand même. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Oh, je veux crever. Oh, je veux crever. Bon, on y va. Je vous laisse la cinématique. Bon, c'est Gatling Gull, on l'a déjà vu, mais je vous la laisse quand même. J'ai aucune couverture, lui je vais me prendre 100% des dégâts. Canardeur, putain, j'avais oublié que c'était ça la VF. Allez, on y va. Oh, il tire comme de la merde ce con là. Hop. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là-bas. Vite, 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 je profite qu'il bouge pas pour le bourriner sa mère. Ah, vas-y, viens! Allez, Romain, vous êtes des Romaines! Non, mais vise bien, toi! Vise bien, con de pistolet là! Non! J'ai activé ma majuscule, attendez. Voilà. Allez, hop. Hop. Allez, on y va, on y croit. On y croit, on y croit ou pas? On y croit, il est où? Il est là. Vite, on y croit, on y croit. Vite, vite, vite. Oh putain, j'ai pas pris un seul dégât. Oh la masterclass. La classe de maître, comme on dit. Point faible, trop fort, exactement. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. Parfait. Pff, la vache, j'ai chaud. J'ai vraiment cru que j'allais tomber dans le puits, là, hein, qu'on soit d'accord. T'as vu, c'est quoi? Je vais juste bouger ma caméra. Je vais me mettre... ailleurs, je vais me mettre en bas à gauche. Je vais juste m'augmenter un petit peu. J'ai dit, je vais augmenter un petit peu. Je vais juste me mettre dans le coin à gauche. Au pire, on s'en fout de la... Vas-y, on s'en fout. Pas trop non plus. On s'en fout des objets. Voilà, parfait. Allez, on y retourne. Excusez-moi. Point faible trop fort, du coup, exactement. Comme tu disais, comme je disais, ça sera... C'était franchement un coup de chance, hein. On soit d'accord, j'ai une luck de ouf ce soir. Hein. Comme Laurent Luck. Non, Laurent Dutch, merde. J'ai raté ma blague. Comme Donald Duck, Luck. Oh, nom de Dieu. Ça va être dur ce soir. On sent que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, hein, non? Non! Grave. Mais lâche-moi. Lâche-moi. Oh, une clé. Alors, faut d'abord trouver la clé. Ce que tu dis n'a aucun sens.
Putain, faut que je me rematte les Pirates du Caraïbe. Ça y est, j'ai fait une référence, maintenant faut que je me les rematte. Qui est une des meilleures trilogies du cinéma avec Le Seigneur des Anneaux et Star Wars 1, 2, 3. Hein. Et je maintiendrai jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Pirates des Caraïbes, la trilogie elle est incroyable. Et vu qu'il n'y a pas d'autres films, que c'est juste une trilogie, tu vois, c'est ça qui est cool, tu vois. Hop. Tac. Il est où? D'ailleurs, les gens qui ont vu Pirates des Caraïbes, moi je le sais. Mais est-ce que vous savez comment s'appelle, genre sans regarder sur Google pour me la péter, est-ce que vous savez comment s'appelle le duo des deux pirates là, les cons, le chauve et le blond, le gros chauve et le blond là, les deux cons, est-ce que vous savez comment ils s'appellent? Parce que moi je le sais. Et c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés, c'est de connaître le nom des persos. Sans regarder sur Google, évidemment. Pintel, c'est le chauve. Raghetti, c'est le blond. Voilà. Pintel et Raghetti. Et comment savez-vous comment s'appelle leur équivalent chez les Anglais? Merde. Leur équivalent anglais, là, les deux cons, là, le gros et le maigre. C'est exactement les mêmes, mais en anglais. Hein. Enfin, ils sont anglais aussi, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils s'appellent Murtoy et Murtog. Et là, par contre, je me souviens plus comment les distinguer. Si je crois qu'ils ont... Je crois que Murtog, c'est le plus petit. Et Murtoy, c'est le gros, je crois. En tout cas, Pirates des Caraïbes, c'est une des meilleures trilogies d'histoire du cinéma. Et le 3 est un film incroyable. Voilà, c'est tout. Allez, on y retourne. Ok, tu m'as trop donné envie. Demain, je me remets à Pirates des Caraïbes. Lequel est ton préféré, Sinistra? Ça, c'est un débat qui divise aussi. Parce que personne n'est jamais d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Moi, j'aime les 3 ». Après, il y a moi qui va dire j'aime le 3, tu vois, qui suis fan du 3. Après, il y a des gens qui vont préférer le 1. Après, il y a des gens qui vont préférer le 2, justement, tu vois. C'est vrai que le 2, il est cool, quand même. Enfin, c'est vrai qu'ils sont... Ils sont tous cool, en fait. Je dis ça quand j'ai sous-revis, ça fait très longtemps. Quand tu dis tous, on est d'accord, tu parles que des deux premiers, que des 3 premiers, excuse-moi. Il n'en existe pas d'autres, hein, qu'on soit d'accord. On parle de la trilogie, ouais, voilà. Ça, c'est une bonne... Ça, c'est une... Non, allez, si, on s'en déconne. Le 4, je l'ai rematé il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'il aurait dû se passer entre le 1 et le 2 dans l'histoire, tu vois. Parce que l'histoire est pas assez épique pour figurer après le 3, en fait. Parce que le 3, on parle quand même de la bataille d'une bataille. Enfin, d'une bataille. Techniquement, il n'y a pas de bataille, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un combat qui oppose les pirates et leur ennemi juré Beckett, qui contrôle littéralement les océans et qui les pousse dans leur dernier retranchement et tout. Et après, qu'est-ce qu'on a? Bah juste un mec qui a envie de devenir immortel. Voilà, et ils vont trouver une sirène qui s'appelle Sirena. Aïe, il y a même pas une bataille, il y a même pas une bagarre un peu stylée. Bon, ah si, il y a une bataille, il y a pas de bataille au canon. Il n'y a pas de bataille navale dans le 4, ni dans le 5 si je crois, mais elles sont pas ouf. Putain, merde quoi. Le 3 on parle quand même d'un combat de quasiment, franchement 40 minutes dans un tourbillon quoi. Franchement quoi. Comment on peut ne pas apprécier, il y a des gens qui apprécient pas le 3. Je pense que ces gens ont des problèmes... Je pense que ces gens ont des problèmes à accepter les vérités qui dérangent, tu vois, genre que c'est un bon film, par exemple. J'ai aucune idée de ce que c'est que cette arme. Mais en tout cas, voilà, on casse tout. Ouais, on est bon. Allez, la Gorgon, je la défonce. Gorgon, pardon. Hop, 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 hop. Hop. Raté, vous m'avez raté! Eh les Romains, vous êtes des Romains! Au papa qui m'appelle pour parler du repas de Noël. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah, nous, on sait pas du coup, parce que. Covid, tout ça, tu vois. On verra.
J'ai une table dépliable. Alors que je bourre une dinde. Je ne dirai rien. Parce que... Non. Je ne dirai rien. Je vais claquer. Hein. C'est de la merde cette arme, c'est de la merde. Il m'a déconcentré avec ça, il faut que je bourre une dinde lui là. Oh là là, je veux mourir. Il m'a déconcentré cet enculé. Ah moi j'ai pas, attends, je déteste, en vrai c'est rien contre la famille, j'aime pas les repas de Noël et tout, parce que j'aime pas les repas, j'aime pas les repas de famille, ça me gonfle. De toute façon je travaille, je travaillerai pendant, pendant Noël moi, donc bon. Bonsoir Rocker, ça va? Non mais ouais, repas de Noël là cette année, je suis pas chaud. Hein. Je suis vraiment pas chaud. Hein. On était invités chez nos voisins normalement demain soir. D'ailleurs demain soir pas de stream. Je me repose. On a été invité chez nos voisins. Qui ont invité d'autres voisins. Donc là, on va genre faire une... Tu sais, c'est vraiment comme dans les trucs américains, tu vois. Avec les voisins qui arrivent avec une tarte et les... Et plus, en fait, c'est, mon quartier, c'est plus ou moins Desperate Housewives, tu vois. Mais, vu qu'ils sont qu'à contact, ils nous ont prévenu que c'était pas demain. Du coup, on fera ça en janvier. Mais putain, où est-ce qu'on est tombé, quoi. Après, du coup, c'est bien, tout le monde est gentil, tu vois. Papa Noël, ça va être chez les parents de ma belle-sœur, donc on pourra pas amener la chienne. Et je déteste être tout seul le soir. À 9h, je m'endors. Papa famille, moi, c'est plus 6 personnes, j'y vais pas. Ah non, on va les cadeaux à 21h30. Là, on sera 4, donc c'est parfait. Le rêve. L'année dernière, vous savez, on était combien au repas de famille? 20. Moi, enfin, ma famille, du coup, on est 1, 2, 3, 4, on est 4. Mes grands-parents, 2. Mon tonton et mes cousins, 1, 2, 3, 4. La famille de mon beau-père, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et des amis, je crois qu'on arrive à 20. C'est l'avantage de fâcher la moitié de sa famille. Après, je serais fâché avec la moitié de ma famille. C'est déjà le cas, hein, moi, pour le point de vue. Mais c'est l'autre partie de la famille là, c'est côté maman, c'est côté papa que c'est fâché moi, donc ça va du coup. Sinon, si on rajoutait le du côté de mon père, la famille du côté de mon père, bah, les grands-parents, frère, sœur, père, la meuf. Ouais, tu rajoutes 7 personnes. À condition que, enfin genre il y a plein de conditions à prendre, à condition que mon frère et ma soeur veuillent venir, tout ça aussi quoi. Mais bref, non, de toute façon ça n'arrivera pas. Et moi aussi tu m'as oublié. C'est vrai que t'es de ma famille Rocker, j'avais oublié. En plus on se ressemble hein, physiquement. On a la même moustache maintenant. Hein. Je l'ai raccourci d'ailleurs ma moustache parce qu'elle commençait à vraiment être dégueulasse là. Moustache power, calme-toi Magnum. Et écoute, excuse-moi, je t'ai pas répondu tout à l'heure, et bah écoute, ça va tranquillement, hein. Ça va tranquillement, mon petit rocker, un peu complètement claqué, j'ai pas envie d'aller au taf demain, hein. Enfin, la base, quoi. Une vie honnête dans un corps honnête, quoi. Non, c'est pas vrai. Je t'ai vu ce matin, le feu était vert. Matin, ce midi tu veux dire, non? Genre vers 13h plutôt, parce que j'ai pas bougé du taf de 7h, enfin de 6h à 13h, enfin de 6h, pardon, de 7h à 13h. Donc ce midi du coup. Ah non, ou alors tu dis genre t'es passé devant et tout. Vas-y, demain matin je te klaxonne 4 fois rapide. J'essaierai d'être attentif. Non, tu sais, tu mets le klaxon. Là, crois-moi, je te reconnais. Hein. Bon, tu étais là vers 7h50. Non, non, c'était pas moi. Hein. C'est 6h50 par contre. 7h50, je suis en retard au travail. Hein.
Et putain, tu pars tout de chez toi en fait. Après moi l'avantage tu vois c'est que je vais au travail de à pied tu vois. C'est ça qui est cool quand même. Bon écoute, j'essaierai d'être attentif au klaxon. Hein. Oh c'est de la merde, je veux crever. Ah oh, je veux me foutre en l'air. Je vais être à 9h à Paris. Mais tu vas à Paris en bagnole? Mais t'es quel genre de malade toi? Quel genre de fou va à Paris en voiture, mec? Mais même les Parisiens, ils le font pas. Elle est à chier, cette arme, je veux crever. Dans les transports, c'est full Covid. Oui, bah certes, mais ça n'empêche pas que qu'il y a même les Covidettes, ils vont pas à Paris en bagnole. Non, mais où? C'est quel genre d'hérésie d'aller à Paris en voiture hein. Attendez, je me concentre un peu et on parle après, d'accord? Hop! Couchez, 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 je t'en supplie, couchez, couche. Ah, il télétravaille, ces bâtards. C'est vrai que moi, si je chope le Covid, je peux pas télétravailler, malheureusement. Aucun dégât. Bon, j'ai rien dit, elle était bien, cette arme, finalement. Le Rubadine MK2. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Tu vends le poisson sur Amazon, ça s'appelle être un grossiste, ça. Et non pas un grossophobe. Allez. J'ai même pas besoin de bouger, regarde. Bon, si, quand même. Oh, si, elle était rigolote. Oh, si, c'est rigolo. Oh, putain, elle est bien, celle-là. Oh, nom de Dieu. Bon, je vais la garder, tiens. On continue au flingue, merde. Dommage. Oh ça va, on rigole les jeunes. Aucun humour les jeunes, hein. On peut plus rien dire. Hein. Eh c'était mieux les années 80. Hein. Au moins on pouvait rigoler. Hein. Ça tu vois, c'est le genre de conneries que j'entends au repas de famille. Et c'est ce que j'entendrais s'il y avait mon père, tu vois. Pour ça du coup je suis bien là, je trouve l'ambiance. Eh, hey, on peut plus rien dire. Hein. Si maintenant, chaque année, à chaque repas de famille, il y a les éternels débats à la con politique. Là, oh putain, cette année, il va y avoir les présidentielles, il va y avoir probablement Zemmour qui va venir sur la table. Enfin, il n'y a pas Zemmour qui va venir en personne sur la table, mais il y a probablement la discussion Zemmour qui va venir sur la table. Oh, ça va être bien. J'ai hâte, hein. Vous avez hâte des élections ou quoi? Tout à l'heure, j'ai vu un tweet qui m'a fait rire. C'est un tweet de Beauf Delphine, une streameuse qui est assez marrante. Et qui fait beaucoup de shitpost, j'en ai déjà parlé, je crois. Et elle a mis... elle a mis la photo, vous savez, du gamin envie de gicler. Écrit envie de m'abstenir, mais écrit mal parce que avec marqué moi quand je pense au présidentiel. Voilà, ça m'a fait rire. Non, mais j'ai hâte que le sujet vienne pour lancer plein de conneries. Ah non, moi j'ai. C'est de l'ironie ou pas? Je sais pas, j'ai pas compris. L'ironie ou pas sinistre? Non, moi par contre, si ça vient sur la table, je ferme ma gueule. Hein. Oh, je veux pas me fâcher avec toute ma famille. Hein. Je veux pas me fâcher avec ma famille, je veux pas. Parce qu'on sait pas débattre avant cette famille, donc ça sert à rien qu'on parle. Ça, c'est cool. Des conneries qui font rire. Ah! Non, mais elles vont être bien les élections là, on va bien se marrer là. C'est pas vrai, on va pas du tout se marrer. On va pas du tout se marrer. Dans mon quartier, on va pas se marrer du tout. Macron président, mais il s'est représenté ou pas du coup?
En plus, personne ne disait Macron président. Hein. C'est juste vu la personne en face, crois-moi, il est passé parce qu'il y avait juste la personne en face. Hein. On sera à 8, je sais que je pourrais dire ce que je veux sans censure. Hein. Oh là là. Bon, de toute façon, ils savent que j'aime personne et que la politique, je déteste ça, donc pas de soucis. Moi, je trouve que des deux côtés, il y a des idées à la con et des deux côtés, il y a des idées bien, donc de toute façon. Macron ! Explosion ! Oh putain ! Faut lui exploser sa gueule à ce. Je sais pas ce qu'elle dit à chaque fois, la vieille. Vieille, pardon. Excusez-moi, bon, excusez-moi, c'est une vieille quoi. Vous savez que les gilets jaunes, ils font encore des manifs ? Il y en a sur les ronds-points vers chez WAM. Je crois. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Je vais pas te dire où. Comment tu t'appelles Rocker, parce que bah, sinon j'ai pas envie de dire le nom du bled. Mais apparemment vers. Un peu plus. Ouais, bah non, ça va être chaud de te le dire. Bref, apparemment il y en a vers pas loin de chez nous. Ouais, il y en a à Caen. Ouais, tu vois. C'est incroyable, moi je pensais que c'était éteint ce truc là. Pourquoi j'ai que des flingues par contre? Non létal. Putain, pourquoi j'ai que des flingues? Je veux me taber des boules. Je veux me tabouler. Ah, j'ai faim, sa mère. Eh putain. J'ai raté toutes mes balles, je veux claquer. Oh, je vais gerber, au secours. Non! Ok, c'est de la merde. Non! Non! Ah! You can't do anything at a king! I have the high ground! Y'a un supposé de la. Je sais plus quoi! You are supposed to destroy the seat, not join them! You have to bring balance to the force, not live in a darkness! I hate you! Voilà. Hop! Hop! Ta 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 ta. Olé. Faut qu'elle claque, hein. Je vais mourir là. Je peux pas avoir autant de chance comme ça. Oh là 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 là, mais. Mais quelle masterclass, mec. Mais. Amenez-moi la GDQ en fait. J'espère que vous savez ce que c'est la GDQ, sinon j'ai l'air con avec ma blague. Mais. Je suis trop fort. Excusez-moi, je suis trop fort, je suis juste trop fort. I am just the killer of the game, en fait. Ça se trouve, on va tuer le passé ce soir, là. Je rappelle, le but du jeu, c'est de tuer le passé. Hein. Des 4 personnages. Non, on en a fait qu'un. Parce que j'ai un peu de chance, là, j'avoue. C'est un peu la luck. Bon, meurs, voilà, merci. Bon, va falloir que je commence à utiliser d'autres armes pour... Pour clean les salles, parce que mon pistolet il est plus efficace du tout là. Non mais bref, tout ça pour dire, ouais, les repas de Noël, je déteste ça. Et en plus, putain, par contre, un truc que je déteste par-dessus tout, c'est les fêtes de la nouvelle année, mon gars. Je déteste ça. J'en ai jamais fait d'ailleurs, c'est pour ça que je déteste en fait. Genre, à chaque fois c'est en famille, tu vois, et vraiment, mais... À chaque fois, les gens de ma famille me disent « Mais pourquoi tu trouves pas des potes pour aller faire ça ?» Je dis « Mais parce que je déteste ça, moi. Ça me gonfle les fêtes de fin d'année, moi. » Enfin, pas les fêtes de fin d'année, mais... la nouvelle année, genre... Enfin, ça me gonfle, quoi. J'aime pas, c'est... Ça, pour le coup, c'est pas un truc que j'ai envie de célébrer, que j'ai pas envie... Encore Noël, bon. Ouais, le côté tradition, y'a pas de souci. Mais putain, mais la nouvelle année, mon gars, mais... Comment ça me pète les couilles, moi. Du coup, cette année, si je suis chaud, s'il y a des exclus, je streamerai pour la nouvelle année. On aimerait bien avoir un ou deux poteaux pour le 31, mais on se retrouve à deux avec Clémence. Oh bah non. Bah venez à la maison, finis. Ou alors viens, moi je viens. Hein. Je viens et on va au Valhalla. Qui sera probablement pas ouvert le jour de l'an. Je sais juste qu'il y a du catch le 1er janvier, c'est tout. Bah viens franchement. Je viens avec B4 et Hunter.
Et là on va rigoler là. Je sais même pas si je travaillerai pas Je sais même pas si je travaillerai pas genre le 30, tu vois, et le premier, tu vois. Bon, même si je pense que bref. Bon, c'est pareil, on va jouer. Ah ouais, vous avez regardé Arthur, le nouvel an d'Arthur. Avec le décor penché et tous les humoristes plus du tout à la mode. Le premier certainement pas. Non mais le 2 du coup. Parce qu'après si je vais sur Caen, c'est aussi pour visiter quoi. Hein, soyez honnête hein. Enfin, c'est aussi pour, c'est pour voir les copains certes, mais c'est aussi pour visiter un peu quoi. Ben moi tu vois, Sinistra, chaque année il y a le spectacle d'Arthur à la télé. Il y a Arthur à la télé. Et ça me gonfle. Ou alors Patrick Sébastien. Mais encore Patrick Sébastien, moi je trouve ça cool donc. Au moins il me fait rire donc ça va. Mais ouais ça gonfle. Pour ça j'aime pas faire le nouvel an. Il m'a fait plus de télé. Qui c'est Patrick Sébastien? Il fait encore le grand cabaret du monde non? Attends, si t'es en train de me dire que Patrick Sébastien ne présente plus le grand cabaret du monde, mais je brûle ma télé. J'y vais tout de suite hein. Comment ça? Il a été viré. Qu'est-ce que j'entends? Mais je vais aller me battre avec tout France 2 hein. Mais c'est qui présente le plus grand cabaret du monde? C'est quoi ce scandale là? Ils ont viré un des piliers de la télé française, ces enculés. C'est comme quand ils ont annoncé qu'il n'y avait plus Julien Lepers à Question pour un champion. Elle est à chier cette arme, hein. Qu'on soit d'accord, je me suis fait enculer. Hein. Parce que ça c'est une arme qui utilise ton argent en fait, regarde. J'ai 142 balles en haut. 141. Du coup il est parti en tournée avec eux. Hein? De quoi? J'ai pas compris. Aïe. De quoi? Qui est parti en tournée avec qui? J'ai pas compris, excuse-moi. Avec les artistes du grand cabaret. Ah oui d'accord, oui en fait il a fait son truc séparatiste de son côté en fait. En fait c'est la fédération du commerce, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien c'est la fédération du commerce en fait. Voilà que la situation nous échappe. Ils sont deux maintenant. Bon, eh ben, pas ouf cet étage-là. Hein. Je vais me faire enculer, je pense, là. On va essayer avec celui-là. Je sais pas s'il fait beaucoup de dégâts ou pas. Oh, pas lui, je le déteste, enculé. Il fait pas du tout de dégâts. Aïe! Ça fait du dégât, ça. Oh putain, ça fait du dégât de ouf! Ça fait depuis 2018-2019 qu'il a dégagé. Arrête, mec! Mais c'est le pire des scandales de la télé française, ça! Hein. Pire que le renvoi de Tex, hein! Pour une blague de cul, je sais plus quoi. Non, c'était quoi? C'était quoi? Hein. Pourquoi il s'est fait virer Tex déjà des amours, j'ai oublié? Qu'il avait fait une giga blague de cul ou racisme ou un truc comme ça, non? Je me souviens plus. Ah, je suis pas actuel sur le lore de la télé française. Hein. Je suis pas à jour sur le lore, le France lore, le French lore. Enfin. Une blague sur les femmes battues. Ah oh, merde. Ah oh, merde. Ah c'est pas drôle en fait. Ah oh, bah c'est mérité. Ça tu vois c'est mérité. Mais oh personne ne touche à Patoche. Il fait chaud. On va utiliser celle-là pour clean parce qu'elle fait pas trop de dégâts, mais elle est quand même efficace. Il fait chaud. Voici venu le temps. Si, il a pas fait une chanson sur le Covid, lui. Il a fait une chanson sur le Covid comme Renaud, en fait. C'est là que tu sens qu'un artiste plonge, en fait, c'est quand il fait une chanson sur le Covid, en fait. Là, vous êtes, là tous vos artistes, qu'on fait, vos rappeurs, qu'on fait des chansons sur le Covid et tout, je suis sûr, je les ai vannés et j'en ai rien à foutre. Je suis sûr j'en ai vanné que j'aime bien aussi. Dans le tas du coup là. Putain d'ailleurs, ça a aucun rapport. Mais j'écoute plus, quasiment plus de rap en ce moment. Parce que je sais pas, j'ai pas le... Je suis pas dans le mood tu vois. Mais qu'est-ce que mon Spotify
Alors, autant je vannais beaucoup Spotify pour les propositions, genre, tu sais, les découvertes de la semaine, là, les propositions qu'il te fait automatiquement. Je le vannais beaucoup. Je vannais beaucoup ce truc-là en mode, ouais, enfin, super, c'est un truc répétitif par moment. Enfin, c'est des listes aléatoires par des enfants de 4 ans, tu vois. Mais franchement, ça fait quelques jours, là, ou alors je deviens juste bon public, ou alors j'ai juste de la chance, mais ça fait, pardon, plusieurs semaines que mon Spotify, il me fait découvrir des trucs incroyables. Voilà. Et du coup, je suis assez content de moi, là. Parce que ça fait quelques jours que je découvre plein de trucs. Enfin, quelques mois que je découvre plein de trucs, du coup. Je vais claquer, hein. Je vais... Ah putain. J'ai pas dû utiliser ça, moi. Mais ouais, genre, je suis assez étonné. Écoute, du coup, écoutez du black metal. J'écoute énormément de... Ah, oh là, attention. Ah, oh là, qu'en ce moment. Parce que bah j'ai été les voir en concert, c'était très très cool, et du coup j'en écoute énormément en ce moment. Et si vous ne connaissez pas Aorlac, non pas ça. Aorlac, c'est un groupe de black metal auvergnien, ou français. Ouais, qui parle des légendes de nos contrées. Et c'est très très cool. Je sais pas que... C'est A... A-O-R... L-A... C'est. Au pire, chercher la chanson Au travers de nos cris, c'est la meilleure. Merci, merci, voilà, il y a un H, merci beaucoup, Funé. Et Au travers de nos cris en concert a été incroyable. J'aurais aimé la connaître pour chanter avec tout le monde, mais c'était quand même incroyable. Salut à toi, puits de dôme. Salut à toi. Et ils ont une super track, la bite du Saint-Nectaire. Je savais pas. Et j'écoutais énormément de Steel Volk aussi également. Ivresse des lieux, caresse les cieux. Bon, c'est pas du black metal ça par contre. Bon, après, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ah, toujours les classiques, hein. Russian Village Boys. ma hard bass habituelle, quoi. Russian Village Boys. Écoute beaucoup de KPN aussi. Oh, me parle pas de ce groupe de merde. Me parle pas de ces sacs à merde là. J'ai quand même de l'honneur, hein. J'écoute pas des trucs comme ça moi. Ah mon KPN, c'est le. Le Bertrand Cantat du black metal quoi. Je pèse mes mots. Je préfère écouter Burzum que KPN. Oh, je préfère écouter aucun des deux d'ailleurs si ça ne dérange pas. Burzum, j'en aime qu'une seule, hein. Qu'on soit d'accord, et elle parle de mythologie, hein. Qu'on soit d'accord, Burzum, c'est de la merde, hein. Enfin, le mec est un giga connard. Il me fait beaucoup rire parce qu'il est très con. Enfin, lequel? Laquelle? Alors, ça, tu vois, c'est le problème. Je me souviens plus. Je sais que j'en aime une, mais je me souviens plus laquelle. Il y en a une qui est bien. Elle parle de mythologie. Je sais, il y a pas beaucoup de paroles dedans en plus. Ah, je sais plus. Faudra que je revérifie, mais je me souviens plus c'est laquelle. Non, mais ouais, si vous connaissez pas Varg, c'est un giga connard ce mec. Bah, déjà, c'est un meurtrier, déjà, pour commencer. Et en plus, j'ai 148 euros. Enfin, dollars. Que je peux me permettre. Mais ce qui me fait. Il y a un compte qui s'appelle Out of Context Varg Vikernes. Ou Burzum, enfin je sais plus. Et franchement, ce mec est vraiment complètement con quoi. Enfin, genre. C'est incroyable que ce mec ait des fans, mais une premier degré, tu vois. À part des criminels et des racistes, quoi, évidemment. Salut Persalis, tu vas bien? Alors j'aime cette musique, je sais laquelle c'est, mais je dirais pas le nom. Non, c'est pas ça, je me souviens pas du nom. J'ai coupé caméra café pendant ton stream, putain quel honneur. Ouais vas-y, il me manque de toute façon. T'étais à quel épisode là, dis-moi tout.
Faudrait que je m'en remette. Putain, je sais ce qu'il faut que je fasse. Faut que je... Merde. J'avais pas vu que je prenais des dégâts. Je veux crever. On va reprendre la... La convict, elle était bien. Mais là, faudrait que je trouve un moyen de me les choper. Genre, juste en MP3, tu vois. Pour me les écouter avant de me coucher. On va recommencer, je vais pas prendre un dégât sur la première salle. Donc au final, c'est Jean-Guy qui... Celui où Philippe prend le risque... risque de se faire péter les genoux, mais au final, c'est Jean-Guy qui prend. Ah, je m'en souviens pas de celui-là, tiens. Je m'en souviens pas du tout. Ah ouais, faudrait que je trouve un moyen, parce qu'en fait... Ça c'est un truc dont je vous ai déjà parlé, mais en fait moi j'ai pris une habitude. Je peux pas m'endormir si j'ai pas un truc. Dans le silence complet j'aime pas ça, faut que j'écoute une vidéo ou une connerie tu vois. Là je me remets quelques sketchs des inconnus pour m'endormir en ce moment. Et je pense qu'il faut... À un moment il y avait Kaamelott en audio sur YouTube. Juste les audios, pas le visuel tu vois. Même si ça se faisait ban, le mec trouvait des solutions pour que ça tienne. Mais là ça a disparu du coup. Il arrive pas à les en faire revenir. Mais du coup j'écoutais du Kaamelott avant de m'endormir. Et c'est incroyable à quel point je me rendais compte que j'ai même pas besoin de voir l'épisode pour comprendre et pour me souvenir des mouvements et tout tu vois. Les mimiques je les vois en fait sans les voir tu vois. Et faudrait que je fasse pareil avec les caméras café tiens pour m'endormir. Ça pourrait être cool ça. Je vais être en train de tu sais commencer un peu à somnoler. Un peu commencer à somnoler comme ça tu vois. Et je vais entendre je vais faire une... Jean-Claude. Du sauce pure Odyssey. J'irai voir, ça marche, merci beaucoup. Avec le porte-flingue qui débarque avec un étui à guitare. Ah putain, oui! Ah oui, qui est joué par le. Le mec qui arnaque Jean-Guy plus tard là. J'envoie le lien sur Discord. Envoie-le-moi en privé, pas de lien pour t'aller mater des trucs en streaming et tout, s'il te plaît. Mais envoie-le-moi en privé par contre, s'il te plaît. On va éviter d'envoyer des liens sur le Discord qui pourraient potentiellement être du streaming illégal. Juste point de vue déontologie. Hein, mais... Et du coup, je préfère en privé, s'il te plaît. Surtout que j'ai déjà vu des Discords se faire ban. Parce que les gens partageaient des liens, genre, pour mater les trucs en streaming, tu vois. Donc ça me ferait chier, quoi. Merci beaucoup. Il faut que je me refasse ces séries, genre, Adoprixtoxix... Je connais pas. Nullbuck et Zanda. Zanda, je connais pas, mais Nullbuck, je connais. Je connais. Si, moi, il y a une saga MP3 que j'aimais bien... C'était la 3ème Légion, je crois, ou la 6ème Légion. Je me souviens plus. Je crois que c'est la 3ème. La 6ème Légion, je crois. C'était bien, c'était marrant. En plus, c'était de l'humour avec les Romains et les Us et tout. Moi, ça me fait rire. Hein. Diplodocus. Moi, ça me fait rire. Moi, les noms en Us, ça me fait rire. Hein. Il y a aussi les rescapés du Survivor, je crois, un truc comme ça, que j'avais déjà écouté. Anus. J-Pep, comme on dit. J'suis mort. J'suis mort de rire. Oh, c'est à chier. Bon, si ça va en vrai. Dicus, Dicus. Dans mon queue. Ah, Dicus, Dicus. What's so funny about Dicus, Dicus? Ça c'est trop bien ça. Ça c'est vraiment mais... faut que je me rematte la vie de Brian aussi. Life of Brian, faut que je me le rematte. Ça fait très longtemps que je me suis pas maté du Monty Python, tiens. Il y a aussi un film qui est vachement sous-coté, mais qui est un peu dans le même style que Life of Brian, c'est 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Un film avec Coluche. Ouais, c'est boomer. Hein. Mais qui est vachement marrant, en vrai.
2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, je vous le conseille vraiment de ouf en vrai. Non ironiquement. Je crois que je l'avais maté avec Marfouin sur Discord à l'époque. Et il avait kiffé. Il est éclaté hein, le film. Hein. Mais il est trop bien. Enfin, il est éclaté. Non, mais c'est un humour un peu à la con, tu vois. Genre, ouais, c'est des Romains et tout. Et genre, ils matent RTL, tu vois. Moi, ça me fait rire. Ils ont des taxis, enfin. C'est un peu comme Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, qui est un grand classique de Coluche, tu vois. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, mec, mais putain, qu'est-ce qu'il est incroyable ce film. Allô ? Ouais, c'est bon, je crois que ça décroche. Clou du spectacle. C'est marrant ça. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, mec, rien que pour. On m'appelle le chevalier blanc. Avec. Comment il s'appelle ? Ah, Daniel Auteuil, putain, comment il s'appelle cet acteur ? Attendez. Comment il s'appelle ? Gérard Lanvin ! Gérard Lanvin avec son gigamoule beat là. Ça me fait rire moi. Faut que je me le remette aussi. Y a des blagues qui sont super drôles dans. Il est vachement sous-côté, vous n'aurez pas Alsace et la Lorraine. Hein. Oh. Ah vache, c'est boomer tier ce soir. Hein. Après, si on reste boomer, on peut parler de Louis Funès. Hein. Si vous voulez, bon, y a pas de soucis. Hein. La CM Compagnie, tout ça, y a pas de soucis. Hein. Si c'est le con qui a fait sauter le pont, bon, on y va. Hein. Et là, c'est pas comme ça, ça fait de la mousse. Le fil blanc, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Les tontons flingueurs. Évidemment, les tontons flingueurs. Happy birthday to you. Faut que je me le remette, les tontons flingueurs. Putain, vas-y, je passe pour un giga boomer, tu fais chier. C'est parce qu'on a parlé de caméra café, ça. Caméra café, ça boomerifie les gens, ça. Et il est mad, un bourre pif, en pleine paix. Ah, on va l'éparpiller façon puzzle. Ça, mec, quel classique. Mec, rien que ça, c'est masterclass. J'adore les tonton flingueurs, mais c'est trop bien les tonton flingueurs, mec. C'est incroyable les tonton flingueurs. Raoul, le roi du tango. Vas-y, il faut que je me le remate. En plus, il y a plein de blagues que j'ai certainement oubliées. Faut que je me le remate. Vous savez ce que j'ai eu envie de me remater récemment? Alors, ça n'a rien à voir avec Tonton Flingueur et le fait que je pense à ça maintenant, c'est vraiment une insulte à l'histoire du cinéma. J'ai envie de me remater Fatal. J'ai aucune idée de pourquoi, j'ai eu une résurgence de Fatal dans ma tête. Je suis music. Moi je sais. Pourquoi? Pourquoi Sinistra? Ah moi je veux bien savoir hein. Là je sais pas, donc je veux bien si tu sais, moi je veux savoir. Hein. Moi je refais les Seigneurs des Anneaux. Chacun son truc hein. Salut Rani tout le monde, ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Ah ça vient de Fatal! Ah oh, j'avais oublié tiens. Ah non bah c'est même pas pour ça du coup Zizra, j'avais oublié que ça vient de ça, que ça venait de ça. Mais du coup c'est vrai que y a ça, oui, effectivement. Oui. Putain j'étais certain que c'était autre chose moi. Ah ouais non bah du coup ça m'étonne même pas en fait finalement. Non bah du coup c'est peut-être c'est un film. En fait peut-être qu'inconsciemment je m'en rappelle du coup. Tous les mardis, il pop sur ma TL. Ah, mais moi aussi, t'inquiète, hein, moi, il y a des copains qui le partagent tous les mardis. Hein. Moi, il faudrait que je me réoccupe de partager le bonjour. Nous sommes vendredi. Oh, il y a quelqu'un à débloquer ici. Papopé.
Ça a pas popé, mec. C'est vraiment une musique qui est sous-cotée. Hein. On fait ah, c'est un mème. Mais c'est trop marrant, quoi. Mais elle est trop bien, quoi. Ladies and gentlemen, The Weeknd. Il avait fait une version giga marrante quand il y avait eu le mème de Weeknd au Super Bowl, là. Et il avait fait un hein, Ladies and gentlemen, The Weeknd. Mais écrit, tu sais, The Weeknd comme le groupe. ça me fait rire. Il faut plus de bots comme ça, mec. Qui te rappellent les jours de la semaine. Là, le bot de l'avancée de l'année. Je crois qu'on est à 95% je crois de l'année là. Et ça me fait déprimer. Parce que l'année est passée un peu vite quand même. Ah là là. Ouais. Ça fait rafraîchir hein. Ça fait rafraîchir. Oh la sirène. Cela fait des lustres que personne n'était descendu ici. Ah! Tu m'as sorti de cette cellule Feng Shui. J'aurais récupéré quelques forces, je serais un allié de choix. Nous ne manquerons pas de te revoir, j'en suis sûr. Oh, je n'aime guère la foule, je suis d'une nature plutôt solitaire, je vais rester ici un moment. Mais quelque chose me dit que nous sommes appelés à nous revoir. Oh, tu l'as déjà dit à les connasses. Ça me rappelle que on vit, on trépasse. Ça, je me rappelle pas, tu vois. Non mais vas-y, j'ai trop de films. Mais en plus ça me saoule parce que en ce moment je mate Stargate et vas-y, je peux pas tout mater en même temps là. Y'a pas de clé. Contre flingueur, ouais non celle-là je m'en souviens plus. Salut everybody tout le monde, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Qu'est-ce que c'est nul en plus, putain c'est même pas une punchline quoi. Il était vraiment à chier, Fatal, mais j'ai envie de le remater pour me rendre compte à quel point c'était à chier. C'est con parce que j'aime bien Stéphane Rousseau en plus, hein. Enfin, celui qui joue. Je sais même plus son nom. Celui qui joue. Enfin, le Québécois là. Salut Chronique, ça va? T'arrives, on parle de Fatal. Je pense que t'as envie de repartir là d'un coup. Chris Prowls, ouais, voilà, Chris Prowls, merci. Celui qui joue Chris Prowls, j'aime bien l'acteur en plus. Elle est où mon truc? Elle est là. Putain, si, il y avait une clé, je vais me foutre en l'air. Le vert. Le vert est plus puissant que le bleu. Oh! J'aime bien Fatal. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je comprends pas la question. On dégage le fusil. Et je vais dégager ça parce que je déteste cette arme. Je suis music. J'en ai marre, je me fais enculer moi. Ok, c'est de la merde. On va juste l'utiliser pour clean. Allez. Tac. Bon, au moins on va vite. Oh la vitesse. T'es mal la taille des pieds. T'es mal la taille de la chose, frérot. Eh, vas-y, le fraté, il trace sa mère. Bon, si, ça va. Oh, faut que je fasse un remix hardcore de ça. Bah écoute, mon petit chronique, un peu fatigué, mais ça va. Demain on va au travail, j'ai pas envie, mais il faut bien. On approche de la fin d'année, donc faut aller travailler. Hein. En plus, il y a les fêtes qui arrivent, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie d'arriver aux fêtes, hein, parce que ça va être infernal le travail. Je risque de pas beaucoup travailler, je risque de pas beaucoup streamer la semaine de Noël, hein, je vous préviens, parce que je vais certainement beaucoup bosser et je vais certainement être complètement claquax. Non, je préfère quand même vous prévenir à l'avance, hein, peut-être y aura une petite pause pendant les fêtes. Hein. À part les jours où je travaille pas, évidemment. Déjà, je pense que mardi prochain, je pense que je travaille. Vous avez des filets de saumon, on en a. Mais là, en ce moment, c'est le dos de cabillaud qui est en promotion, mon gars. Jamais goûté d'eau de cabillaud. En fait, en vrai, je travaille dans une poissonnerie. Mais t'es au courant que je mange pas de poisson? Enfin, littéralement, le seul poisson que je connais, c'est le saumon. Hein.
J'ai jamais mangé de crevettes, jamais de moules, jamais de coquilles Saint-Jacques, rien. Hein. J'aime pas le poisson, c'est pas un truc... C'est pas pour moi, le poisson c'est vraiment pas pour moi. Hein. Oh. Oh. Putain, trop stylé. C'est bon le cabillaud. Je vous fais confiance. Les moules c'est surcoté. Ah. Podcast sur les poissons, podcast sur les moules, on y va. Les différents types de moules. Allez. Les différents types de moules. J'avoue, je me suis surpris tout seul avec ma blague. C'est marrant, les différents types de moules, non? C'est marrant, t'es en train littéralement de décrire tout mon étalage et j'ai envie de te taper parce que ça m'enlève le travail. J'ai pas envie de penser au travail maintenant, j'ai envie de penser aux jeux vidéo. Le crabe c'est top tier, les bulots par contre jamais goûté. Est-ce qu'on peut arrêter de parler travail s'il vous plaît? J'ai pas envie d'y aller déjà demain donc arrêtez. Bon si, en vrai elle est bien l'arme. J'aime bien comment tout le monde a capté la vanne et moi qui continue par les bouffes. Chacun son truc, hein, Père Salis. Il y en a qui aiment les moules et toi t'aimes la bouffe. Plus ou moins Caradoc, hein. Ouais, petite référence Camelot. Oh, oh oui, elle est bien celle-là. C'est laquelle? Oh yes, elle est bien celle-là. J'aime bouffer des moules gnogneux. Bah moi j'en ai jamais mangé. Et je sais que j'aimerais pas ça. Donc c'est marrant que je travaille dans une... C'est con que je travaille pas dans une boucherie quand même. Parce que pour le coup la boucherie là mon gars t'inquiète. Hein. Là t'inquiète, hein, moi je suis un viandax. Hein. Viandard ça devrait être mon adjectif. Hein. L'autruche, elle viandaros, tu vois. Moule, anguille, y en a pour tous les goûts, écoute. Allez. Changeons de sujet, je vous en supplie. Si, il y a un truc qui me dégoûte et qu'on a chez nous là, c'est parce qu'il y a un côté traiteur là où je bosse. Le boudin. Ta mère la pute, comment ça a l'air dégueulasse. Le boudin blanc, comment ça a l'air dégueulasse. Rien que le nom, il me dégoûte. Le boudin noir c'est incroyable, là c'est du blanc. Mais noir ou blanc, pas de racisme, hein. Les deux seront l'air dégueulasse. Hein. Non mais les gens qui mangent du boudin, vous êtes des déglingos. Hein. Vous êtes juste fumax du cerveau. Hein. On dit pareil quand je bouffe du cœur ou du foie. Ouais mais toi t'es sataniste. Ça tu vois non, par contre faut pas déconner, je connais pas ça. Mine de rien sur l'étage d'une boucherie, je serais très calé en viande. Enfin genre... Enfin je pense que je serais assez calé en viande, mais tu sais genre la viande genre... comment ça s'appelle genre... Tu sais genre les saucissons, les tranches de bœuf ou et tout tu vois. J'ai rien à donner donc on va juste aller se latter. Plus maintenant. Tellement bon les rognons, mais qu'est-ce que tu racontes? Espèce de giga démon. Bon, ouais, c'est... Nah, din shaitan. Putain, c'est vrai qu'on va vite. Oh, je l'ai eu du premier coup, mec. Oh, le bâtard, il prend pas le feu. Eh, les Romains, vous êtes des Romaines. Ah, tes balles, elles me rattrapent pas, loser.
Mais j'ai pris aucun. Il a essayé de m'enculer. Eh, hey, vous avez vu, je suis même pas fait avoir par la mimique, mec. J'ai eu un coup de chance, mais incroyable. Bougez pas, juste mettre mon téléphone à charger. Ah, c'est dur de se lever quand on est vieux. Bon, eh, en vrai, on va peut-être atteindre la... on est bien, là, en vrai. Ambiance Gay Pride, ce soir. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est content? Non, mais oh, mais c'est quoi cette... C'est quoi ces stéréotypes, là? C'est vraiment insoutenable, hein. C'est vraiment incalculable. C'est... Comment on parle? How can I speak? C'est vraiment... Intolérable, voilà. Comme le sirop. Ouais, elle est complexe, mais elle est faisable. Le sirop d'intolérable, ça s'appelle la monster. Pardon. Ça s'appelle la Monster Mango Loco. Non, tu sais, ça s'appelle comment la... le sirop d'intolérable? Le Perrier. Harry Potter et le sirop d'intolérance. Ah, j'en ai marre. Martine et le sirop d'intolérable. Tu mets carbure au Monster toute la journée. Ouais, bah il va que l'écoute. Il va avoir une crise cardiaque dans quelques années. Et c'est bon, pas de soucis, hein. Les mains de... Le fait que tu l'as mal écrit, ça me fait beaucoup rire. Le fait que tu l'as mal écrit, ça me fait rire. Mais c'est vrai que ça marche aussi. Les mains de... Tu peux fermer ta gueule, l'arme, s'il te plaît. Bon, et du coup, vous voulez que je vous spoil sur le jeu que je voulais qu'on commence aujourd'hui, mais qu'il va falloir que je fasse un peu de setup pour qu'il tourne? Est-ce que vous voulez que je vous spoil sur la nouvelle série qu'on commencera très bientôt? Les menstruations. Non, je vous spoil pas. Bon, je vous dis rien. Vous verrez en temps voulu. Je ferai un stream un petit peu mystère. Non, je ferai un stream un peu mystère. Je donnerai des indices. Oh, c'est pas con, ça. Non, je viens de penser à un truc. Non, mais oubliez, du coup. Faites comme si vous savez pas. Et merde. Bullet plus one. Bullet plus one. Oh, il m'a lancé mes boulettes. Bref, tout ça pour dire... De quoi on parlait? Oui, tout ça pour dire que... Que j'aime rien. Que je suis quelqu'un de très compliqué encore en culinairement. Moi, tant qu'il y a du saucisson, ça va, tu vois. Avec mes pizzas, je suis la seule personne qui prend des pizzas... jambon, sauce tomate, champignons et c'est tout, hein. Quand je fais mes pizzas, moi il y a 3 ingrédients et ça suffit, hein. Et de la pâte, évidemment, hein, mais... Petit piment, ouais, non, ça c'est tout à funérailles. La Carolina Reaper, c'est juste parce que tout le monde en mangeait, on voulait tenter chez toi, hein. Enfin chez Nick, hein. Jamais de la vie j'aurais tenté ça tout seul dans mon coin, hein.
Je me suis laissé pousser les couilles parce que vous étiez là. Et je plus jamais d'ailleurs. Si un jour tu me dis, attends d'ailleurs je vais amener un truc pire que la Carolina Reaper, bah, je viens pas en fait. Tu vois. J'ai pas envie de claquer, tu vois, moi, contrairement à toi. Je peux amener pire. Non, bah oui, juste, bah, donc non, justement, ne le fais pas. C'est ça que je dis, ce qu'il faut dire. De la Carolina Reaper, mais pure. Ah, celle que tu nous avais fait goûter, c'était pas de la pure? Je vais claquer, là. Hein. Là, c'est chaud, par contre. Ah, on n'avait pas goûté de la pure, nous? On avait goûté de la quoi? C'est chaud là un peu, non? Une version à 65% vu qu'elle était en poudre. Ah merde! J'étais persuadé d'en manger de la pure, moi. J'ai l'impression qu'on parle de coke. C'est de la pure ou pas? Non, non, elle est diluée, c'est 65%. Faut vite que j'aille me soigner parce que là, ça urge. Voilà. Je prends une clé. Hop. Ah, parfait, tu tombes bien, toi. Ça dégage parce que c'est de la merde. C'est de la merde ce que tu me proposes également. Alors, dégage toi aussi. Hop. Je trouvais pas de pur à ce moment-là. Maintenant j'en ai. On parle d'un piment, hein. Calmez-vous les gens qui savent de quoi on parle. On parle d'un piment. On ne parle pas de cocaïne. Bonsoir humain streamer, bonsoir humain viewer qui va me regarder être une catastrophe sur Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Là déjà tu vois que je suis dans la merde là. Signal goût, ouais, c'est ça. DGSE. Je sais plus comment il s'appelle, la brigade des SUP. Bah, la brigade des SUP. Oh non, pas lui! C'est pas ce que je voulais faire. Enfin, j'ai chaud. C'est la PETA. Les GSE, Direction Générale de Sécurité Intérieure. D'accord, c'est pas du tout ça donc. Donc c'est pas du tout les DGSE qui s'occupent des stupes. Ça marche. Hop. Je vous attends. Je n'aurai pas mes piments. Que ça va, Danny Tréon? Il y a de l'ambiance dans ces boîtes jaunes. J'ai une vie. Chien du gouvernement. Calme-toi. Détends-toi par contre, funéral. Détends-toi, Renaud. Oh, je vais mourir. Oh putain, je vais mourir. Je connais pas leur timing. Non, il n'y avait plus de cœur chez le marchand. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'est bien démerdé, maintenant on va passer à la chasseresse. Je suis le vieux en slip avec sa pelle. Ah ouais, de... Ah ouais, de ouf, mec. Signal Gouv, nonobstant. On a virus, t'avais 4 balles blancs. J'ai pas le réflexe d'utiliser les balles blancs parce qu'en fait, quand j'utilise des balles blancs, ça change d'arme pour moi. Parce que c'est pas c'est la même touche que changer d'arme. On a virus. Connard de virus. Débarqué un jour de Chine. Retourne-y, on t'y confine. Bon, là en gros, j'ai la flemme de lire, mais il me demande de tuer des trucs.
Voilà. Et après, il me donne des cadeaux. Dans ce pays, où on bouffe du chien, allez, du pangolin, des chauves-souris, du pangolin, coronavirus, connard de virus, coronavirus. C'est... Qu'est-ce qu'elle a chier cette musique, mec. Je suis désolé, mais il faut qu'on en reparle, hein. Elle a chier cette musique. Des limites de tâches pour les fichiers ISO dans Discord, je crois, ouais. Pourquoi ça, Kishovo? 1 Tera. Non mais... Non, il déconne. Je crois que c'est... Ouais, 25 MO, je crois. Enfin, t'as pas de Nitro. Sauf si t'as Nitro, je crois que t'es tranquille. Le plus chiant, c'est que t'en as qui la chantent en jouant à des jeux vidéo. Ah, qui sont chiants, ces gens-là. En plus, ils chantent mal. Et peut-être que bientôt, ils rejoueront à Euro Truck Simulator 2 pour aller chanter. Ah, petit teasing. Et ils jouent mal aussi. Eh oh! Eh oh, bolo bolo, bolo bolo! Un autre, il entend Persalis, il entend Euro Truck. Mon gars, il a le mac élevé, quoi. C'est un extrait de Simon Leblanc. Mais extrait que j'arrive fait 130 MO. C'est qui Simon Leblanc? C'est qui ce bordel? C'est qui Simon Leblanc? On en a déjà parlé. Ça me dit un truc. Simon Leblanc, ça me dit un truc. C'est un humoriste. Oui, c'est ça, c'est l'humoriste qui te fait rire, c'est ça? On en avait parlé, je crois. Pas besoin de ça pour lever mon mât. Doucement, doucement, doucement. On se détend, Persalis. Ce n'est pas OnlyFans ici, c'est Only Twitch. C'est très différent. Ici, les femmes à poil, elles ont le droit. Enfin, elles sont autorisées. Mais par contre, les gens qui font des blagues, ah ça non, hein. Oh, je sais ce que je suis encore tombé sur une meuf qui était à moitié à poil tout à l'heure en me promenant sur Twitch. Elle jouait à Skyrim en plus, je crois. Et disons que Skyrim c'était 0,1% de l'écran, si tu veux. Ah, ça me fait rire. Je maintiens que Twitch ils sont vraiment pas honnêtes avec ça. Avec leurs propres règles. La meuf qui avait fait visiter l'intérieur son trou du cul, elle a pris 3 jours de ban. Et t'as des gens pour des blagues qui prennent une semaine. Et pour des DMCA, ils sont carrément supprimés leur chaîne, mec. Je comprends pas. Pour ceux qui savent pas, ouais, il y avait eu une histoire où en fait une meuf avait littéralement montré l'intérieur de son fondement. Mais genre, quand je dis vraiment, c'est elle nous a fait visiter. Enfin vraiment, c'était très spacieux et tout. Genre vraiment, il y avait Stéphane Plaza qui nous présentait. Il y avait un double vase qui avait tout ce qu'il fallait, tu vois. Et elle a pris 3 jours de ban. Et je crois genre une semaine après, t'as Terracide. Elle a pris 3 jours de ban. Et une semaine après, t'as Terracide qui a fait des dessins. Et il a pris une semaine de ban. Parce que pour dessiner l'Inde, il avait dessiné des gens une plage de caca. Voilà. Ouais, YouTube. Non, YouTube, c'est pire. YouTube, c'est encore plus brosson parce que YouTube, il y a des trucs bien pires que les de yoga à poil. Hein. Mais j'ai pas envie d'en parler ici. Je vous invite d'aller regarder la vidéo YouTube est obscur du Radier Radier. Si vous voulez perdre foi en l'humanité. Enfin, si vous l'aviez encore, quoi. Je vais claquer, hein. C'est une arme de merde que j'ai, hein. On va, il faut présenter sa carte d'identité. Avec un VPN, ça se fait. Hein.
Je crois qu'il y a des pays où t'as toujours pas besoin de présenter ta carte. Je sais plus c'est quoi, mais je crois qu'il y a un ou deux pays où t'es tranquille, je crois. Je sais plus, j'avais lu ça. Après, peut-être que ça a été corrigé, mais... Je crois que c'était un pays genre la Hongrie ou un truc comme ça, où là-bas t'avais pas besoin de présenter ta carte pour voir des trucs. Je vais tester. Ah, le psychopathe, quoi. Attends, je vais tester. Oh, du feu. Pas du tout. Ballon incendiaire, si, absolument. Je commence à être à court de cure-dents, moi. Bon, en tout cas, j'espère que ce stream vous plaît, les copains. Excusez-moi, je fais juste un petit truc. Hop, hop. Voilà. J'espère que ce stream vous plaît. N'hésitez pas à follow si ce n'est pas déjà fait. On sait jamais, hein, si jamais il y a des petits nouveaux. J'aime pas du tout. Ah, oh, merde. Quel dommage. Mais tu es là pourtant. Oh ! En plus, t'as pris 6 mois de. T'as pris 6 mois d'abonnement de. T'as pris 6 mois d'abonnement en avance, toi, donc t'es bien niqué. Hein. J'arrive et t'arrêtes ? Mais j'ai pas dit ça, Kéchevo. J'ai pas dit que j'arrêtais. Hein. Je dis que j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à follow si c'est pas déjà fait, c'est tout. Non, j'ai Opéra. J'ai activé mon VPN, j'ai toujours la restriction d'âge. Ah merde! Ah bah ça a dû être fixe, alors bon bah déniqué. Mais ça empêche pas de... Y'a des gens même pour s'identifier, tu peux avoir du porno hein, sur YouTube. Hein. Et puis t'as des vidéos qui sont même pas en restriction d'âge en plus. Hein. Damn les gens, est-ce que vous connaissez NordVPN? Putain, j'ai un oiseau, j'avais pas vu. Ouais, de ouf. NordNTM, ça s'appelle... Ça, c'est un groupe de musique, ça. Ouais, je me fais rire. NordMTM, ils ont chanté... Non, je sais plus ce qu'il a chanté. Je sais plus ce qu'ils ont chanté MTM. J'ai jamais été giga fan de MTM. J'ai jamais été fan tout court d'ailleurs. Oh! Attends! You can pet the dog in Hunter the Gungeon. Bon, c'est pas un dog, c'est un hamster, mais. You can pet the hamster in the Hunter the Gungeon. Je reste comme ça. On le caresse pendant 8 ans, hein, je préviens. J'espère que vous avez le temps. Hein. J'ai regardé ma montre, parce que j'ai pas de montre. Bah, but you can pet the dog in Hunter the Gungeon. Et ça, c'est intéressant. Allez, allez, follow le compte Can You Pet the Dog. Ou You Can Pet the Dog, je me souviens plus. C'est un compte Twitter. Hop! Pièce en or, Valar Morghunis. Ok. Je sais pas ce que c'est. Ah non, en fait, ton Discord est bridé. Il me dit que c'est 8 MO alors que les MF ça passe. Ah bah oui, mais moi j'ai pas de. Moi personne ne. Enfin, moi, oui, oui, non, oui, bien sûr, mais c'est les. Ah, ça enlève des gens. Bah tiens, je vais libérer des pièces. Ah, d'accord, ok. C'est pas par rapport au Nitro, aux gens qui boostent Discord, c'est possible. C'est possible que ce soit ça. Tant que personne ne me. Non, oui, c'est ça, c'est certainement ça du coup.
Le nitro c'est en MP. Non non mais genre le boost de serveur, voilà, les boosts de serveur. Pardon, ça je voulais dire c'est peut-être du coup les boosts de serveur qui donnent les trucs là. Ouais. Bon allez on y va. On va utiliser celle-là, elle a l'air puissante. Oh je veux crever. Je déteste ce boss. Je déteste ce boss, attends mais... Non ! Oh ! Vous intéressez, Radi a repost sa vidéo sur Vimeo et sur Facebook aussi je crois. Étonnamment Facebook censure moins que YouTube. C'est marrant, YouTube quand même, ils censurent ce qu'ils ont envie quand même. Hein. Bon allez, on va faire le marine, c'est ça qu'on n'a pas fait pour l'instant. Foire toi. $170 Oh nom de Dieu. Je suis pas sur FB. Non mais je sais, mais je veux dire, il l'a quand même fait quoi. Bon, manie ta mère. Hop. J'ai déserté. Je comprends. Why are we still here just to suffer, hein, comme on dit. Merde, attendez. Putain, quel con. Attendez, excusez-moi. Why are we still here? Juste ou suffer? Ouais, suffer. Ouais, je parle anglais un petit peu. Bon, écoute. Je sais même pas ça vient de quoi, mais ouais, j'ai la référence, bien sûr. Ça vient de quoi? C'est Metal Gear, non? Je crois que c'est Metal Gear. Hop! On n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. On vient de commencer là. Oh là là. Alors. Oui, waouh, oui, Steve, je suis ce feu. Ah ouais, c'est une référence à Metal Gear, ça. Excusez-moi. T'es nul. Ah, bonsoir, Oriane, ça va? Enfin, bonjour. Quelle heure est-il dans les United States of America. Il est quoi? Il est 15h? Non. Pardon. Il est quoi? Il est midi chez toi là? Dans la où t'es? Ou non? 13h plutôt? Je suis éclaté. Ah et toi? Bah écoute. Coup-ci, coup-ça. 15h30. Ah putain, j'y étais presque, dis donc. Ah mais non, il était midi quand j'avais streamé à 16h, c'est pour ça. Et ça va? Ça se passe bien? Est-ce que le USA is bien? Ouais, moi tu vois, quand j'aurai des enfants ou de la famille qui partira en voyage, je sais pas du tout comment je pourrais apprendre des nouvelles. Et ça va, yo 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 les Jones. Est-ce que ça groove un max? Ça groove de ouf. C'est grave champ max un peu. Là tu vois Persalis, j'ai un peu avec Sylvain quand il fait l'américain. Tu connais la grande différence entre les States et ici? Wesh les Jones, est-ce que ça farde dans le tiécar? Hier j'ai eu un date, c'est incroyable. Oui j'ai vu sur Twitter ce que t'avais dit. Avec Blaise, oui c'est ça, avec Blaise, oui. C'est dommage que je sois un gros connard, Pezl, je sais pas le prononcer. Enfin qu'apparemment je sois un connard, Pezl.
Bon, en tout cas, je suis content si ça se passe bien. Ma petite Oriane. Enfin, ma petite Oriane de plus grande que moi, mais je me comprends, quoi. Est-ce que ça gaze dans le ghetto, wesh, wesh. Ah putain, ça me saoule, parce que je suis sûr que je connais des gens qui parlent comme ça vraiment non ironiquement, mec. Tu sais, j'imagine vraiment la tête du mec qui parle comme ça en plus. Il s'appelle Kevin, déjà. Excusez-moi, hein, mais. Il s'appelle Kevin. Et il pense qu'il est grave Jones. Alors qu'il a déjà 25 ans, tu vois. Yo yo! Chemise à flamme bleue. Ah oh, ouais. Oh, les sneakers. Il croit que les sneakers c'est encore à la mode, mec. Oh là là, j'adore. J'ai jamais eu la fameuse chemise à flamme, moi, personnellement. Et c'est un truc que je regrettais énormément dans ma jeunesse. J'ai jamais eu la chemise à flamme, mec. Et je trouve que c'est scandaleux. Ça, c'est Jordan. Ah, putain, ouais, Jordan. Jordan. Salut. J'avais un ami au lycée qui s'appelait Jordan. Et je le vannais déjà suffisamment sur son prénom. Chemise à dragon, oh là là de dieu. Oh. Comme Kiryu. Kiryu Kazuma. Kazuma Kiryu. Kiryu! On va y aller avec celui-là, hein. Ta mère la grosse pute. Mais pardon, il est parti tout seul, tu vois. Ouais, non, moi, tu vois, genre, si j'avais des photos, genre, collège et lycée à vous montrer. Bah ouais, juste un métalleux gothique, quoi. Métalleux slash gothique au début, quoi. Et vers la fin, qui se prend pour un viking, quoi. Ouais, basique, quoi. Hein, Oriane. Un rocker, si t'es encore là. Vous vous en souvenez de ce mois-là, hein. Je m'habillais comme une merde jusqu'au lycée. Alors, je m'habille toujours comme une merde, hein, mais... Porter des vêtements juste pour pas être à poil. Ah oui, d'accord. Ouais. J'en souviens aussi. Putain, c'est vrai, Chronique. Exact, Chronique, il s'en souvient aussi. Genre, si je vous montrais genre un glow-up de moi début lycée et moi maintenant, ce serait incroyable la différence, tu vois. Déjà, j'avais les cheveux. c'est un petit paramètre, hein, mais déjà, j'avais les cheveux. Légèrement dans le même lycée. Non, collège, Chronique. Pas collège, on n'était pas dans le même lycée. Donc... Collège, par contre. Mais, ouais... Déjà, premier paramètre, à l'époque j'avais des cheveux. Chronique peut témoigner, ils étaient très longs. Enfin, tous ceux qui m'ont connu avant pouvaient confirmer qu'ils étaient très longs. Après, il y a eu la partie skinhead, où les cheveux étaient très courts, donc, du coup. Et là, bon, bah écoute, on s'est stabilisé, hein, mais moi je trouve que ça me va bien, donc, que ça me va mieux ça, donc on est bien. Hein. Tiens d'ailleurs, Chronique, j'ai une amie qui est en formation, là où on a fait notre... là où on était au collège. Et du coup, je lui ai demandé de passer quelques mots à nos anciens profs. Et j'ai ajouté du coup un de nos anciens profs sur Facebook. Parce que je lui ai dit, j'ai dit à ma pote de lui dire que bah, c'était un de mes meilleurs profs d'histoire et tout. Du coup, je pense que tu vois de qui je parle du coup. C'était un des meilleurs profs d'histoire que j'ai eu et tout, tu vois. Et que j'espère qu'il va bien et tout. Et il m'a dit « Ah, je vois sur Facebook, Ludo !» Et voilà, du coup, je l'ai sur Facebook. Et du coup, je pense tu vois de qui je parle, niveau prof d'histoire. Je vais pas dire son nom, parce que, évidemment, bah, tu vois. Putain, je le vois tous les matins. Bah écoute, si tu le vois, fais-lui un gros... Dis-lui également que je lui fais un gros bisou. Et que je lui fais un deuxième bisou à part ma pote du coup. Prof de français horrible. Ah putain oui lui. Celui qui avait des histoires bizarres et où on avait l'impression qu'il se. Ouais non vraiment ouais. Ah c'était wild dans le collège un peu quand même.
Oui, oui, non, je me souviens, quand même, je me souviens, Chronique. Je me souviens, hein. C'était il y a pas si longtemps que ça, mine de rien. Je vais claquer, là. Je suis pas concentré, je vais claquer. Et c'est pas si vieux que ça, je m'en souviens. Hein. Putain. Ça nous rajeunit pas, dis donc. Bref, tout ça pour dire, j'avais les cheveux longs avant, donc niveau glow up, tu vois. Faudrait que je me fasse prendre en photo par un vrai photographe, tu vois. Oula, non. Que je me fasse prendre en photo par un vrai photographe, tu vois. Pour qu'il me fasse genre un vrai shooting photo. Et... Je vais claquer là. Ouais, là je suis mort. Oh. Ah, ah. J'ai pas d'arme bien là. Ah. Je t'en subis, meurs. Meurs, je t'en subis. Je t'en subis, meurs. Ah, non. Clac, clac. J'ai plus de vie. Je t'en subis, meurs. Mais combien? Mais pourquoi tu meurs pas? Nude? De quoi tu parles, Chronique? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis gouré de mots, c'est ça? J'ai fait un lapsus? Bon, on y retourne, c'est pas grave. Allez, on fait une dernière. Les photos. Ah, les shooting photos! Non, bah non, bien sûr que non. Pas encore. Bientôt, je ferai les dieux du shérif, tu vois, mais... Oui, non, je sais, pardon, j'avais pas compris. Ah oui, c'est bien ça. Ça, je garde ça. Bien. Non, mais c'est vrai que j'y pense de voir pour un photographe, tu vois. Peut-être que ça m'aiderait niveau confiance en WAM, tu vois. Et que ça me ferait des photos plus stylées que des selfies, quoi. Évidemment, quoi. Parce que je suis quelqu'un qui déteste me prendre en photo déjà de base, tu vois. Ça doit se voir, hein, moi quand j'ai une belle photo, les gars, elle reste pendant 2 ans, tu vois. Donc quand je trouve une photo belle, elle reste pendant 2 ans parce que je n'ai pas envie d'en prendre d'autres, tu vois. Hop! Parfait! Non mais ouais, on verra, hein. Mais bref, tout ça pour dire, ouais, si jamais un jour je fais un genre avant-après, tu vois, il sera vraiment, vraiment vénère. Hein. Et je pense, je sais déjà quelle photo, en vrai, je montrerai pour expliquer mon lycée, tu vois. C'est une photo où je suis en treillis, camouflage neige, avec des rangers qui montent genre jusqu'aux genoux, tu vois. Un putain de trench coat noir, avec un t-shirt Sabaton avec un drapeau de la Suède, toutes mes bagues et tout. Le top du style, absolument pas. Et une corne... Oh putain, je crois que c'était l'époque. Je crois que c'était l'époque où je mettais les... Columbiner. Franchement, ouais. Franchement, il y a de ça. Je crois que c'était l'époque où j'avais toujours à ma ceinture une corne à boire. Voilà. Ah, j'ai mal. Oh, le Columbiner quand même avec un sourire, tu vois, donc c'était pas... Mine de rien, je souriais, tu vois. Donc ça va. Je crois. Non, ouais, je mettais toujours une corne à boire à la ceinture alors que je vois pas l'alcool. Comme mon con. J'ai fait long que ça puisse parler, je me suis jamais fait emmerder dans mon lycée, tu vois. Genre, tu sais, en plus, lycée de cité, tu vois. Genre, quand j'y pense, je me dis, j'ai de la chance, il n'y a jamais eu de bully, tu vois. Enfin, genre, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a essayé de me bully. Ah, si, il y en a un qui a essayé. Mais il a arrêté très vite. Mais ça vous regarde pas.
j'ai pas envie d'aller en prison. J'ai pas skin à l'époque. Alors, début lycée, j'étais encore métalleux. C'est vraiment fin lycée que je passais skinhead, ouais. C'est fin lycée, ouais. Le hydromel sans alcool. Non, même pas, du coca ou de l'eau ou de la monster. Si, je buvais de la monster dans ma corne, des fois. C'était ridicule. Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Yes, sorry, Founders, Founders, I don't sound right. Ciao, Showmania! Pardon. Ouais, non, non, moi j'ai juste fracassé la tête, mais ça c'est autre chose. Il m'emmerdait, il me tirait les cheveux. Il me tirait les cheveux, il l'a fait deux fois, je lui ai dit une fois arrête. Il l'a refait, je lui ai éclaté la tête. On plus jamais fait chier. Voilà. Ça, tu vois, l'avantage c'est que je me laissais pas trop emmerder non plus, tu vois, donc mine de rien, ça m'a sauvé un peu, tu vois. Enfin, ça m'a sauvé. Ça m'a protégé un petit peu, tu vois. Exclu, bon, bien sûr que non, tu sais pas dans quel lycée j'ai été, toi. Hein. Les gens qui se foutaient sur la gueule, c'était tellement le... C'était tellement le quotidien qu'ils étaient même pas virés quand ils se battaient, hein. On leur disait juste, bon, prochaine fois, faites-le en dehors, quoi. C'était wild, mon lycée, mec, hein. Mon lycée, t'avais quand même plusieurs cités qui se pouvaient pas se saquer, qui étaient regroupées dedans, hein. La pire, la plus grosse bagarre, bataille rangée que j'ai vue, c'est à mon lycée, hein. C'est même pas dans un film, hein. Tu vois, hooligan, quand il y a la giga baston de fin, de la pisse. Par rapport à ce que j'ai vu à mon lycée, de la pisse. The Giant, WrestleMania. Man. Ah, c'est marrant parce que selon les époques, il y en a eu tellement plus des petites intros comme ça à Persaïs que chaque personne se souvient d'une en particulier. Et je maintiendrai jusqu'à la fin de mes putains de jours que le générique de Raw avec Burn Into The Ground était la meilleure. Got no fear, no darling bazaar. We call it on the night that gets a little light. Je maintiens que c'était le meilleur en générique d'Euro. Parce que Nickelback en fait. La vue, elle l'a laissée au sol pendant qu'on montait en cours. Ouais, bah, ce route, t'es dans le même lycée que nous, hein. Ouais, ok, t'es dans le même collège que nous, hein. Je crois que je me suis jamais. Ah, si, non, j'allais dire, je me suis jamais pris à couper dans les couilles, mais si j'en ai déjà pris. De façon complètement gratuite en plus, hein. Genre, on était debout, en train de discuter avec une amie à moi, avec des amis à moi. Et sans aucune raison, elle m'a mis un giga coup de pied dans les couilles, mais à coup de Rangers, hein. J'étais tellement surpris que j'ai même pas eu mal. To be loved, burn it to the ground, tout le reste. To be loved, c'est laquelle to be loved? To be loved? Attends. C'est quoi to be loved? Je vais me faire strike si je fais ça. Ah, c'est Papa Roach. Attends, je vais couper le son, vous allez pas entendre. Je vais juste écouter pour me souvenir ce que c'est. Ah oui! I never give up! Wow! Ouais, c'est vrai que celle-là aussi est bien quand même. C'est vrai qu'elle est bien celle-là aussi, là, quand même. Ça, je suis d'accord. Wow! I never give in! Wow! I never give up! Bon, les deux sont bien. Mais celle que. Maintenant, je me souviens même pas c'est quoi la musique. Elle marque tellement plus maintenant les musiques, tellement elle ressemble à tout. Mais après, ça c'est pareil pour la WWE, par contre, hein, je trouve que leur musique, elle est pas ouf, tu vois. Ça,
ça, j'ai l'impression que ça manque d'originalité maintenant, tu vois. Alors vas-y, où était l'époque où il fait, où il faisait, où il demandait, où il prenait des musiques directement à des groupes vraiment connus, tu vois. Move to the music. Ah mais là dans le Discord, c'est là, parce que je m'en souviens pas. Ça là pour vous, je crois que j'ai pas connu, c'était trop jeune, c'est trop récent pour moi ça. Le catch, j'ai commencé quand j'avais 8-9 ans, tu vois, donc moi c'était encore... Ah c'était To Be Loved du coup. Ou fin de Into the Ground. Les thèmes sont assez petits depuis Green Day. Il y avait pas une musique de SmackDown qui était par Green Day justement, c'était genre... Ah je sais plus. Tu sais mec, qu'est-ce qui passerait de ouf en texte d'intro de... Enfin en musique d'intro de catch. Monster de Skylet. I feel like a monster. I feel like a monster. Elle passerait de ouf. Non. Oh fils de pute. Monster de Imagine Dragon, je connais pas. Move to the music, c'était pas pour un catcheur en particulier. Je connais absolument pas. Que Monster de Skelet est peut-être un Royal Rumble. Arrête! Ah, oh, je savais pas, tiens. Mais de toute façon, la meilleure musique. Je suis désolé. Hein. Ah, c'est vrai que To Be. C'est vrai que maintenant, du coup, j'ai un doute si je préfère To Be Loved ou Burn Into the Ground. We got no fear, no darling buzzer. En fait, les deux elles sont trop bien. Les deux elles sont trop bien, je pourrais pas les classer. Les deux elles sont trop bien, je pourrais pas les classer. Si avant il y avait celle de. Je crois que c'était NXT qui était cool. Et qu'ils ont changé et qui a chié, mais qui est devenue à chier très très vite. Je crois qu'elle est devenue à chier quand ils sont passés sur le format 2 heures. Quand c'était encore qu'une heure, je crois qu'elle était bien. 3, je sais plus. Non, c'était Hero Skylet. Ah, Hero, je la connais pas. Mais bon, ça reste du Skylet du coup, donc ok. Après, on peut parler aussi de CM Punk qui a eu du Key Switch Engage. Hein. Bon, il a pas eu la meilleure, il a pas eu. Comment il s'appelle ? Putain, j'ai oublié, ça fait trop longtemps que je peux plus du Key Switch Engage. Il a pas eu la meilleure, il a pas eu. Asphyxiation of the Darkness. Qui est, je trouve, bah, la plus connue et la meilleure de comment ça s'appelle, bah, de Key Switch Engage. Vertébral K47, comme son nom l'indique. Bon, c'est une AK-47, mais avec une colonne vertébrale, quoi. Allez. Non, je me gratte le nez. C'est un truc de burn-out. À l'époque, ouais. À l'époque, il n'y avait pas trop de rap encore, genre vers 2000 et tout, tu vois. Mais après, ils sont passés à des intros rap et tout. Et je trouve que là, c'est là qu'il y a eu un problème, parce que je trouve que c'est plus dans l'ambiance. Enfin, c'est pas dans l'ambiance, quoi. Le catch, ça n'a jamais été un endroit où tu mets beaucoup de rap ou de la pop ou des conneries comme ça, tu vois. Justement, c'est un milieu où c'est rock, tu vois, parce que c'est des trucs américains, tu vois. Je trouve que le rap, ça n'a jamais scié au catch, en fait. À part à certains catcheurs, mais je parle surtout des intros de show et tout. Genre putain, t'imagines Bon encore, à part si tu mets des trucs de rap genre Power, tu vois. Power de Kanye West, là je dis ouais, tu vois. Mais bon... Après, c'est un style, hein, c'est un choix. Moi, je suis pas la cible, hein, pas de soucis. Hein. I feel like a monster. I feel like a monster. I love the tea grenade. You started it. Strange, elle veut crever. C'est de la merde cette musique.
Bah ça, ça vient du fait qu'ils ont renvoyé le mec qui littéralement... je crois qu'ils ont viré le mec qui faisait toutes les musiques. Enfin, le mec qui a fait les musiques les plus mythiques là. Jim Johnson, oui c'est ça, celui-là. Je crois qu'ils l'ont viré il y a pas longtemps pendant les renvois là. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont changé énormément là récemment. Et que du coup c'est un scandale à quel point ils sont à chier. 3-4 ans, ouais c'est ça à peu près ouais. C'est con parce que ce mec putain il a fait des musiques incroyables même pour des catcheurs je peux pas saquer dis donc. Oui bien sûr après t'as des catcheurs leur musique va avec leur personnage hein, bien sûr hein, genre j'imagine pas Hornswoggle rentrer sur du après Hornswoggle il catche plus mais enfin pas le... Après j'imagine pas John Cena rentrer sur sur Cattle Decapitation quoi. Bon c'est de la merde. Oui c'est ça, oui non mais ils ont ça, ils ont juste perdu les droits aussi je crois. Ils ont perdu les droits pour beaucoup de musique je crois. C'est pour ça qu'elles ont disparu de Spotify d'ailleurs. Ah ils ont tout merdé hein. Putain d'ailleurs apparemment on va y avoir des renvois bientôt là. Avant la fin de l'année. Ça va être bien. Je vais gerber. On va encore être en pleine nuit. On va encore passer une nuit à être scotché aux annonces de Sean, Sean je sais plus comment là. Hop, hop, voilà. Tac, tac. McIntyre, non après bien sûr il reste des musiques qui sont cool hein mais... Par rapport à avant où même le Pécor il avait une musique cool, enfin le mec qui catchait trois fois il avait une musique cool. Désolé, ça fait mal quoi. Thème de Jimmy Wang Yang. Putain mais il est encore là lui d'ailleurs hein. Il s'est toujours pas fait virer lui hein. On l'a vu dans un segment, il était genre en membre de la sécurité. Et ça fait trop de la peine. Bref, évitons de parler trop de ça parce que en vrai il y a beaucoup de gens qui me suivent qui sont pas forcément fans de cage donc ils doivent se faire un peu chier, je suis désolé pour ça. Ça c'est vrai que c'est une discussion un peu compliquée tu vois. J'espère que vous ne vous faites pas chier même si vous ne connaissez pas bien sûr. Ah oui il l'est toujours, il l'est toujours McMahon ouais. Ou Mahon, Mahon je sais pas ce que c'est mais je pense que tu voulais dire McMahon ouais. Et McMahon ouais toujours ouais. Parle de catch, on est 12. 12 ? Eh ben dis donc, il y a du monde aujourd'hui, les copains. Je m'attendais à être tout seul, moi. En fait, il faut que je me dise, avant le stream, j'ai peur d'être tout seul. Et comme ça, il y aura forcément des gens. Bonsoir, Hoffman. Bah putain, dis donc. Bah merci pour cet accueil. Le catch attire. Le catch attard. Catch attard d'Irlande. Oh, l'Irlande. Merci Hoffman, tu me rassures. Le catch attack. Le coffre à catch. Ça c'était bien ça, comme concept. C'est vraiment juste du remplissage, hein, mais c'était bien. N'empêche, je me demande si il y aurait autant de fans de catch en France si ça avait été quelqu'un d'autre que Ajus et Shiro. Genre en vrai. Continue le concept sur YouTube. Ah, je savais pas du tout, non. Non, en vrai, je t'avoue, j'ai un peu arrêté. Je t'avoue, la W, j'ai arrêté et même Ajus et Shiro, je les suis plus. Hein. Enfin, genre, je regarde plus ce qu'ils font. Hein. Si, il a fait la cloche avec je sais plus qui, là, l'autre youtubeur que je peux pas saquer parce qu'il m'énerve. Parce qu'il se prend un peu comme pour je sais pas quoi là.
Comment il s'appelle? Je sais plus. Oui, Ali Catch Club, c'est ça, voilà. Là, il m'énerve un peu. Il se prend un peu pour genre un genre de giga daron et ça me saoule. Link the Depression. Non, pas lui. Alors lui, putain, lui, depuis qu'il parle de catch, mec, c'est une catastrophe. Il m'a donné quoi? Je m'ai pas fait gaffe. D'accord. Ah mais je te crois, Persalis, hein. C'est une catastrophe même avant, ça c'est vrai. Bon allez, on y va. Ouais non, j'ai pas du tout regardé Persalis, hein. Genre vraiment, je sais même pas de quoi ça parle ni rien, je t'avoue, je m'en fous. J'ai déjà... Ah, en ce moment, j'ai clairement déjà à peine le temps de regarder du catch, si tu veux, donc les émissions de catch, non. J'ai autre chose à foutre, hein. Je suis tellement en retard sur ce que je regarde sur la EW et tout, je vais claquer, hein. Qu'on soit d'accord, je vais claquer. Je vais claquer. Ça marche, bisous Hoffman, merci de passer, poteau. Bon, écoute, je fais ce que je peux, Hoffman. Hein. Retourne sur FF14, ou FF, je sais plus combien, là, FF11, ou je sais pas quoi, là. Avec tes 150 milliards de MO de mise à jour, là. Avec le travail, j'ai tellement plus de temps, si tu veux, donc... Fais gaffe, on commence à sentir que t'es salé. Attendez, tiens, en parlant de salé, je vais me moucher, tiens, ça va être salé ça aussi. Évite l'épice, elle aide pas mal dans le... Mais le souci, c'est que tu vas drop que ça après dans les coffres. D'accord, ok. Ah bah je savais pas du tout, bon bah ça marche. T'as des vignos? De quoi? De quoi tu parles? Je connais pas cette expression du nord là. De pécor. Le vigno, c'est la... C'est la fille du vignoble? C'est le petit, le bébé du vignoble peut-être. Ta mère la pute. Un vigno, c'est tout. Rapport au grappe de vigne, on avait tous ça un vigno ici. Ici. Ici, là où personne n'a envie de foutre les pieds. Je note. Ici où il y a des chutes démographiques. Je note. Dans la diagonale du vide, plus ou moins. Hop. Bon allez, dernière run et après je vous laisserai la main. Elle est à chier cette arme. Dans le Pas-de-Calais. Là où le paysage est beau mais toujours caché par la pluie. Bref, le Pas-de-Calais, il n'y a pas eu de soleil depuis 1976 donc... Et encore, c'était un soleil artificiel créé par les Chinois, donc... Ça, c'est bien, ça. Oui, ça existe encore, le podcast. Je sais de quoi je parle. Ah oui, c'est vrai que t'étais là en 76, toi. En 1876. Pendant les guerres de Vendée, en fait. C'est pas le Pas-de-Calais, les guerres de Vendée, mais je veux comprendre. Je commence à être explosé, je sais plus de quoi je parle, mec. Je suis plus vieux que le temps lui-même. Ok, Grishka Bogdanov. Parle-moi de temps X un peu.
temps triple X un peu plus ou moins. Vous avez déjà vu triple X ou pas? Avec Vin Diesel. Il a vu les guerres prussiennes, ah c'est ça ouais. Il était là lors de la... Il était là lors de la destruction de Babylone mon gars. Il a vu Babylone brûler. Babylone, Babylone, Babylone. Babylone brûle. Brune, brune. Akale. Non, c'est Akadok qu'on dit, enfin, ça, c'est pas Akale. Babylone AD. Babylone AD. Un film avec Vin Diesel et Gérard Depardieu. Ta mère la pute. C'est de la merde ce truc. Gérard Depardieu. Vous avez déjà vu l'interview de Gérard Depardieu où il dit, où il explique qu'il a pissé dans une bouteille dans un avion. Parce que la meuf elle voulait pas laisser le douette. Je suis désolé hein, mais ce mec c'est vraiment la fierté française hein. Franchement à l'étranger j'espère qu'on parle que de lui quoi. C'est vraiment de la merde ce truc. Lambert Wilson, ah ça je me souviens plus tiens. Je me souvenais pas qu'il y avait Lambert Wilson dans le film tiens. Parfait. Who start a conversation like that? I just sat down. En plus, franchement, Depardieu, il a un accent anglais, mais incroyable, quoi. Et il y a aussi l'interview de John Malkovich. Où il explique qu'en pleine nuit, Gérard Depardieu et lui, ils sont partis en moto. Depardieu était complètement bourré, il pleuvait et ils sont partis chez Johnny Hallyday. Et ils savaient pas où habitait Johnny, ce qui était bourré. Et du coup ils demandaient aux gens où habite Johnny dans la rue, en slip, sur une moto fuchsia. J'adore ce mec, c'est vraiment la fierté de la nation quoi. Bon même s'il est plus de chez nous, c'est quand même la fierté hein. C'est vrai que maintenant il est plus de chez nous. Ça fait bizarre de dire que Depardieu. Déjà il tournera pas dans le prochain Astérix, donc autant dire qu'il n'y a pas d'Astérix. Mais qu'il est plus de chez nous. Qu'il est russe et belge maintenant, je crois. Il est belge fiscalement et russe dans le cœur en fait, plus ou moins. Un peu comme. Comment il s'appelle ? Florent Pagny en fait. Florent Pagny qui est littéralement un exilé fiscal. Enfin un évadé fiscal pardon. Le jour où il va claquer, je serais sacrément triste. Depardieu, mais c'est un miracle qu'il soit déjà pas claqué mec hein. Avec tout ce qu'il bouffe et qu'il picole, je comprends pas comment il soit pas claqué. C'est vrai que tu dis la nature elle est tellement pas égale avec certaines personnes. Pas sur avec les gens tu vois. Je comprends même pas qu'ils sont pas déjà claqués, moi, Depardieu. Hein. Tu regardes sa série, là, à pleine dent, sur Arte, ou je sais plus quoi. Là. Mais comment il ne claque pas, ce mec? Vraiment? Comment il n'est pas déjà claqué d'une intoxication alimentaire ou une saloperie? Il y a un épisode, il se promène sur la mer, sur la plage, pardon. C'est la marée basse, donc il regarde les algues avec un cuistot, tu vois. Enfin, ou je sais plus quoi, un pêcheur, ou je sais plus quoi. Il parle d'algues, et il en voit une par terre, il dit, ça se mange, ça? Et le mec il dit bah non, enfin pas maintenant quoi, attends. Et ça m'encule de rire, le mec il a juste envie de bouffer en fait. Genre, vraiment il y en a un autre où il est sur un navire de pêche. Un navire de perche, avec son pote cuistot. Et un pêcheur tu vois. Et les deux, son pote cuistot et le pêcheur ils sont en train de discuter poisson et tout, je crois que c'est un pêcheur d'Écosse en plus. Ils sont en train de discuter poisson et tout, tu vois. Et tu vois derrière Gérard Depardieu qui est assis et qui est en train de bouffer du poisson. Elle est incroyable. Et vraiment, il s'arrête pas, genre. Eux, ils parlent et lui, derrière, il est en train de s'enfiler des caisses de poiscaille. Mais ce mec, il me fait trop rire, moi.
Je le trouve. Il a 72 ans. Mais il est vieux en plus. Enfin, vieux. C'est pas si vieux que ça, mais. Vraiment, pour un mec de son gabarit, c'est très vieux, je trouve. Hein. Parce qu'en plus, c'est une masse, hein, le Gérard. Hein. Enfin, mine de... Après, en plus, je crois qu'il est grand, Gérard Depardieu, je crois. Avant, c'était un sacré BG en vrai, hein, quand il était jeune. Hein. Faut être honnête, hein. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. À cette période-là, il était. Ça va, il était beau gosse, tu vois. C'est un peu comme Johnny, quoi. Johnny Hallyday, quand il était jeune, il était beau gosse, tu vois. Après, il a mangé, quoi. 1m80, oh, bah, il est grand, quoi. Par rapport à moi, il est grand, quoi, c'est sûr. Hein. Mais après, moi, de base, tu fais 1m70, t'es plus grand que moi, quoi, donc. Je harde de par deux les côtes de porc. Exactement, c'est exactement ça, mec. Gérard côte de porc, on va l'appeler. Gérard, ouais. Gérard Manfin. Gérard Manfin, c'est pas mal pour lui, ça. Hop. C'est pratique les armes qui rebondissent quand même. Vous savez ce qui manque à notre vie? Un jeu vidéo de cuisine où tu peux jouer Gérard Depardieu ou Philippe Etchebest. Je suis sûr que c'est un mauvais cuisinier en plus, comment il s'appelle, Depardieu. Et juste, il aime juste manger, donc il s'en fout, je suis sûr, il mange cru les trucs des fois. Je suis sûr qu'il est pas forcément giga bon en cuisine, tu vois. Bon, après, je suis pas sûr qu'il soit lui qui fait sa cuisine, surtout. Par contre, mon gars, il doit tellement toujours bouffer au resto, ce mec. Hop. Dommage. Rien à foutre du Gilou, moi je veux du Gérard dans mon jeu. Je viens de créer un même Ecopus où tu figures, j'ai peur. J'irai voir ça après. Parfait. Attends, je vais aller voir tout de suite d'ailleurs. Je vais me moucher et je vais voir. Aïe. Alors, quel est ce mème ? Ah, il est bien celui-là, mec. Oh, il est pas mal du tout. Oh, il sera, ce sera le tweet de fin de streams. Oh, il est bien. Oh merde. pas mal du tout, Perseus. Très très beau. Pourquoi j'ai un poisson qui me suit? Merci beaucoup, Perseus, pour le même. Je le posterai sur Twitter juste après. Il est très marrant. Pourquoi il me fait rire, moi? En plus, t'as fait un vieux photomontage de ma gueule, ça me fume de rire, mec. En fait, t'as juste découpé vaguement ma tête, quoi, ça me fait trop rire, mec. Paint, ah, ça se voit, ça. Hein. Ça se voit que c'était du paint. Hein. Après, je respecte les artistes peintres. Hein. Aïe! Oh, de toute façon, je pense que je vais pas tarder à. Ouais, non, j'arrive plus, je vais mourir. Ah! Non, arrête!
Non, je vais pas tarder à claquer parce que là je commence vraiment à avoir du mal à jouer là. Meurs, 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 meurs. Non! Arrêtez! Oh, la vie. Non mais si, très très bon. Très très bon même. Allez, attends, je vais la refaire pour une petite erreur technique. Ah, quelle erreur, je veux voir. Moi. Je veux voir la nouvelle version. En fait, c'était plus ou moins la bêta qu'on a vu là, ça. Après, je t'avoue, du coup, tout à l'heure, j'avais pas la référence à... au Griffith. Hein. Au Griffin, là, enfin, au truc, là. Pas Family Guy, là. J'ai jamais regardé Family Guy, c'est pas un truc qui m'intéresse. J'ai jamais été giga fan des séries, dessins animés comme ça. Là. Futurama, Simpson et trucs comme ça, j'ai jamais regardé. C'est pas vrai, c'est vrai. Enfin, j'ai regardé par curiosité, tu vois, mais c'est vraiment pas mon truc, tu vois. Rick et Morty, pareil, tu vois, j'aime pas du tout. Tout le monde a l'air de kiffer sa grosse race, moi j'aime pas du tout. Non! J'ai chaud. Hop! Hop! Bon, ça, on se débrouille bien. Mais les gars, sur Star Wars, c'est pas mal. Je te fais confiance. Là, vraiment, je... Je peux voir à travers, c'est trop bien. Hop. Ah, vraiment ce genre de comédie américaine dans le dessin animé, c'est, je trouve ça vraiment, enfin c'est vraiment pas mon truc. Futurama, j'ai essayé hein, mais vraiment j'arrive pas. Les Simpsons pareil, qu'est-ce que je fais moi? Les Simpsons pareil hein, j'ai vraiment essayé mais j'arrive pas. C'est hors de moi tu vois, hors de mes forces tu vois. Simpson, j'ai essayé de regarder, tu vois, mais vraiment, j'en ai regardé. Ouais, 2-3 épisodes que je trouve cool, mais vraiment, c'est tout, quoi. Des gens chantaient, là, le truc de Groening, j'ai même pas essayé. J'aime pas ce que ça donne, je sais même pas comment ça a été reçu, Désenchanté, là. Si c'est bien ça, le nom. J'avais oublié que j'avais ça. C'est côté éclat des trucs, c'est tellement burlesque. Mais c'est pareil, tu vois, American Dad, je connais, j'ai essayé de m'y mettre, mais. Je sais pas. Je connais juste le générique que j'aime bien par contre. Non, 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 good morning, American way. Good morning, USA. Good morning, USA. C'est tout. Hey. Mm.
American Dad, j'ai été dégoûté par le rediff de NRJ12. Pourquoi ça, Parcellis? C'était sur NRJ12? Ah, je l'ai pas du tout. Je vois que je passais devant, mais je vois pas que c'était sur NRJ12. Bon, je vais certainement claquer. Hein. Encore et encore et encore, ça rendait fou. Ah, ok. Ah bah tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais aimé en fait, parce que peut-être que ça passait trop en fait. Non mais c'était sûr. Je suis trop fatigué, j'arrive plus à jouer là. Bon, c'est pas grave, bon, je trouve qu'on a quand même fait quelques belles runs, des belles runs là. On a quand même fait des belles runs, on va aller voir qu'est-ce que je pourrais acheter. On a fait des belles runs, je suis content, moi je suis quand même content. Hop. Et hop. Parfait. Bon bah écoutez les gars, c'était très très bien ce soir, on a bien joué. Marche combien de balles? Oh, que 17. Eh ben ce sera au prochain stream. C'était très très cool, c'était très très cool, on a bien... Parfait, du roue... Ah oui d'accord, il y a juste pas ma gueule en bas quoi. Bon, oh, pas grave hein, tu sais. Ça marchait aussi, tu sais. Bon, bah écoutez les gars, moi je vais vous laisser là, je pense. Hein. Du coup, demain soir, je ne stream pas. Parce que soirée en famille et je vais me reposer de toute façon. Donc moi, je vous dis à... peut-être vendredi. Je vous dis à peut-être vendredi. Ah si, avant de vous laisser, je vais vous envoyer chez quelqu'un. Avant de vous laisser, je suis encore en train de réfléchir à la caméra que je voudrais acheter pour ma... après pour nouvel an là. Oui non mais on s'en fout. Non mais en fait je réfléchissais à Kyria. Est-ce qu'elle stream Kyria? Elle est sur Tomb Raider, donc il y a peut-être moyen. Tiens, il y a Magla aussi qui stream, tiens. Attends, je vais vous envoyer chez qui, tiens. Excusez-moi, genre juste la liste. Ah, il y a aussi Aurel Porteo qui stream. Ah oh, bah non, je vais vous envoyer chez Hades. Ah bah oui, je vais vous envoyer chez Hades. Le copain Hades, il est en train de streamer du Halo. Bon bah je vous envoie chez Hades. Vous êtes gentil avec Hades. Attention, je vous surveille. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.